Salut tout le monde, on vient sur Age of Fear 4 pour poursuivre. Donc j'ai fait quelques scénarios depuis la dernière fois que j'ai enregistré. Notamment un scénario optionnel. Vous allez affronter un forgeron nain. Le mec a 17 en défense, vous avez que Nazel et Angela pour l'affronter. Le mec a 13 points de vie, je crois. Sachant que c'est un nain, donc il va s'en rendre 2 à un moment donné dans le combat. Donc il faut faire 15 points de dégâts. Il a 17 en défense, vous avez 10% de chance de le toucher à chaque attaque. Quel que soit le type d'attaque que vous fassiez. Et même avec une boule de feu, vous n'avez que 5% de chance de le toucher. Du coup, c'est excessivement long. Il m'a fallu la bagatelle de 67 rounds de combat pour le tuer. C'était un peu stupide. Alors vos pêcheurs ont récupéré certaines choses intéressantes dans les profondeurs. Une armure, une algue, un coquillage, bon. Alors ce que je voudrais voir, c'est déjà mon groupe, parce que ce que j'ai fait durant ce scénario, c'est que j'ai rencontré des élémentaires et je les ai charmés avec la compétence de Nazel, ce qui est la commande d'Elemental, ce qui permet de les charmer. Et après, bah, il reste avec vous. Et j'ai quasiment fait terminer de pexer donc notre naga et notre serpent. Quasiment au bout. Narve est bientôt au bout. Il a 167 XP. Vous voyez, il commence à approcher. Et j'ai amélioré l'un de mes abbés, l'un de mes moines là, en prêtre. Et il est quasiment, lui aussi, terminé au niveau de la progression. Donc là, on a un élémentaire d'eau. Les élèves d'eau, ils sont bien. Mais c'est juste des cacs qui vont taper sur tout le monde autour d'eux. Et qui ont régénération. Bon. Je suis pas forcément convaincu. J'avais amélioré donc une de mes... Enfin, ma sirène en sorcière de mer. La sorcière de mer était d'alignement maléfique. Donc, il avait fallu que je paye pour pas qu'elle se barre. Donc, la première chose que je lui ai pris, c'est de la mettre en aliment neutre pour qu'elle puisse se fondre dans mon groupe sans être prête à déserter. Mais la sirène, la sorcière de mer, ça reste un DPS magique, hein, lié sur des dégâts à base d'eau et d'air. Je lui ai appris Chain Lightning, par exemple. J'aimerais qu'elle devienne élite pour avoir un peu plus de mana et de points de vie. Et après, il y aura tous ses sorts à lui apprendre. Ça fera beaucoup. Lui, il a 700 points d'expérience. J'ai pas encore décidé ce que j'allais lui donner, mais bon, je peux lui apprendre déjà pas mal de choses. Et il y a les deux loups, je les ai améliorés en warg. Par contre, il y en a un des deux qui est élite, mais il a subi une blessure. Non, il n'est pas élite, lui, apparemment. Il peut devenir élite. Donc, on va le transformer en élite, silurien. Donc, avec ce groupe, Angela, je lui ai pris la compétence leadership qui lui permet d'augmenter la taille du groupe. Les derniers combats que j'ai faits, j'avais 10 personnes en tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous montrer que... Mais non. Que j'ai recruté du coup un élémentaire de feu. L'élémentaire de feu pourra devenir un spellcaster. Il pourra avoir aura de feu qui fait des dégâts à tout le monde. Donc c'est un blast, hein. À portée courte, il pourra avoir boule de feu, il pourra avoir phénix. Ce qui le soigne complètement. Lui enlève les intoxications, le poison, etc. Mais ça lui sucre 100 XP. Et s'il meurt, ça s'active automatiquement. Mais ça peut être intéressant. Bon, lui, il n'est même pas régulier. Lui, il faudrait le faire pexer. Mais bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que je veux garder mon jellyfish avec moi? Jellyfish,
Elle a assez d'XP, donc j'ai passé en élite. Elle a assez d'XP pour s'améliorer en Ocean Jellyfish. J'en ai pas encore rencontré. Je vais peut-être plutôt prendre un warg à la place. On va voir si on peut aller faire un combat typé histoire. Par exemple, l'attaque de la forteresse des orques. With their gooeyest wares spread out around a modest heap of crackling tinder, Angela and Nizel take a moment to rest. Alors, avec leurs biens toujours couverts du limon de leur combat précédent, Angela et Nazel prennent un moment pour se reposer autour d'un bon feu. À part quelques hurlements d'un warg à l'intérieur des murs, le fort de Yazgut n'a pas l'air de présenter un danger quelconque et semble totalement endormi. Angela se lève d'à côté du feu et trouve un siège confortable. Enfin, elle s'assit confortablement du coup. Sur un gros rocher. Épuisée, elle ferme ses yeux un moment, mais ce moment dure un peu trop et le sommeil la tire. Un claquement de doigts plus tard, elle est réveillée par Nazel, tout excitée. Angela, debout! Le fort est attaqué! Quelque chose vient de détruire le mur! Wow, quoi? Cette barricade impénétrable? Elle n'a pas tenu aussi dur que j'aurais parié! J'espère qu'ils ont encore le reçu. Bon, allons-y. Oh là, c'est un bordel. Je suis prêt à parier ma chambre à l'église que c'est pour de l'argent. Regarde là-bas. Je ne sais pas quel type de brute a attaqué, mais elle charge droit dans le gros abri, la grande cabane à côté du feu. Du grand feu au centre du camp, quoi. Attends, Angela, on a été remarqué. Eh, plus d'intrus, chopez-les. On a un groupe de greenskin qui va vouloir se. Oh là là. Ça doit être la hutte de Yazgut. Ou ce qu'il en reste. Attends une minute. Cette chose-là, c'est un golem de fer. Et Yazgut n'a aucune chance. Cible acquise. Chargé, prochaine instruction, élimination de la cible, exécution. What? Attaquez l'homme de métal, garçon. Ils subissent des pertes, mais je pense que les peaux vertes peuvent réussir à vaincre le golem. Là, je parie 100 gold pardon, sur les peaux vertes. Ok. Eh, vous sortez d'où, vous deux? C'est vous qui êtes derrière tout ça? Quoi? Ah non, on est tout aussi étonnés par ce qui se passe que vous. Espèce de débile vert. Attaque! Une chose que j'appréciais avec les peaux vertes. Perds pas de temps à parler. Pas de parlotte inutile avec les peaux vertes. Ah, mais ils sont carrément 4 les Iron Golem en fait. Hein. Il a que 5 points de vie à Zgut. Oh. Bon, les peaux vertes sont très nombreux, mais comme ils vont être occupés par eux. J'ai pas la sorcière. J'ai que 9 troupes. C'est pas, je vais certainement le reprendre en échangeant le loup contre la sorcière. Ils sont relativement mobiles, donc on va les laisser venir au premier round. Bon, Yazgut est déjà mort. Les gars est mort. Non, Yazgut! Cible éliminée. Recalculation. Éliminer les cibles restantes. Transformer ces hommes de métal en pièces. T'as combien en défense le golem? T'as que 5? Bon, ça va, on va pouvoir les défoncer assez vite. Ouais, lui, je me doutais bien qu'il allait pas aller attaquer les golems, hein. C'est assez clair. Je crois que c'est clair. Ah, mais ils ont des loups aussi pour le contourner. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y en a aussi sur le côté, là. Du coup, toi, le warg. Tu vas te positionner ici.
Lui, j'ai pris un multi-missile magique pour qu'il attaque 3 cibles aussi. Hop, toi, t'es mort. Toi, tu pourrais faire Mass Bless, ça va bénir 3 alliés. On va essayer de bénir ces gens-là. Ouais, ces trois-là, c'est très bien. Ah, ça m'en a même béni 5 parce que tu es élite, Charles. Formidable. Toi, tu vas bénir tout le monde. Donc là, on a vraiment buffé l'attaque. Vous voyez, attaque 15, défense 10 sur la Naga. On est pas mal, là. Il n'y a que le Water Elemental qui prend pas les buffs et qui, du coup, a une attaque, une défense assez pitoyable. Idem pour le loup. Bon, donc on a eu un nouvel assassinat des golems de fer et on a échoué à l'empêcher. Donc les golems de fer, ils vont pas tanker pendant 107 ans. Donc il faut qu'on profite pour éliminer la menace au sud. Tant qu'on peut le faire. Ce que je require, c'est que tu touches, mec. Une idée un peu saugrenue, hein. Alors Angela, elle a chopé du coup sur le forgeron nain un canon à main qui réduit son attaque de 2, mais qui lui fait faire 2 points de dégâts par round au lieu de 1. Enfin, 2 points de dégâts par attaque par round, mais bon, bref. Toi, tu pourrais avancer, mais on n'a pas de raison de te faire avancer. Toi, tu pourrais aller attaquer, on n'a pas de raison de le faire. C'est si toi, tu sors, quelqu'un va venir ici pour se coller là à ta place, tu vois. Ouais, ils font 2 points de dégâts quand même, les golems, quand ils tapent. Hein. Le petit con, là, il nous fait chier. Oh, ce golem, il a beaucoup de vie, en fait. Il a 7 points de vie, ce golem-là. Il va être compliqué à tuer. Bon, est-ce qu'on peut faire une boule de feu là-bas, hein? Ils sont encore trop loin, hein, les petits canaillots. Pas terrible, cette boule de feu, mec. Ah oui, c'est vrai, lui, il touche tout le monde au cac. Du coup, ce loup, il a pris une claque. Aouh ! Peut-être qu'une petite gratouille derrière l'oreille pourrait les calmer. Tends la main vers ces saletés de boules de fourrure. Tu vas voir comment ils vont te l'arracher. Oh, ce mi, c'était vraiment triste. On a mis le verre. J'ai plus d'unité à bouger si elle est bien en restant à rester derrière. Donc les pauvres vertes vont pas poser beaucoup de problèmes. Cet archer là va me casser les noisettes, ça c'est sûr. Va falloir que je fasse une sortie pour éliminer eux là. Vas-y Naga, élimine ce chaman. Lui va vraiment m'ennuyer. Mais si je t'envoie toi, lui peut tomber dessus. T'as dit peu importe. On va avancer.
Bah pas trop quand même, parce que bon, il y a lui là qui a approché, j'avais pas fait attention à lui. Ah, et puis t'as raté Angela. Angela, you suck big time. Oh là 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 là, les gars, niveau skill, va falloir, repasser là. Ah, les peaux vertes sont en train de se faire fesser. Et lui, il commence à se diriger vers nous. D'un seul coup, c'est moins arrangeant. Bon, les peaux vertes ont tué deux golems. Donc, c'est plutôt pas mal. 10% de chance de toucher seulement. Pour quelle raison? Ah! Résistance physique, seuls les coups critiques peuvent les toucher. Ah ouais! This is very annoying, les enfants. Toi, si tu approches, tu vas te faire savater, mais si tu viens là, normalement, non. Oh, le fuyard, ça m'arrange pas. Toi, tu vas rester en première ligne. Angela, toi, tu pourrais mettre un tonneau, mais de toute façon, t'as pas... C'est jamais, hein. Voilà, sur un malentendu. Ça passe. Toi, tu vas rebuffer tout le monde. Toi, tu te recentres, l'ami. Toi, tu pourrais aller attaquer. Tu n'as aucune raison de le faire. Le problème, c'est que lui, j'aimerais qu'il puisse avancer. Mais pour ça, il faudrait que lui se décale un chouïa. Et du coup, ça laisse Nazel à portée de claque. Bon, lui est assez loin, cela dit. Le Magic Missile, c'est pas des dégâts physiques, logiquement. Donc, t'as bien 60% de chance de le toucher. On va envoyer ça, la boulette de feu. Vous avez aucune raison de l'attaquer. Toi, tu chasses le fuyard là-bas. Toi, Naga, tu vas t'en prendre à cet orc. Toi, tu n'as pas d'attaque à distance, malheureusement. Lui, il n'a plus qu'un point de vie, donc il devrait être tout à fait envisageable de le tuer. Non, c'est toi, Nazel. Bien joué. Allez, on y va. On fait une sortie, là. Ah, il fuit, donc toi, tu le chasses. Parfait. Toi, t'as pris une petite claque, mon pote, donc je vais te soigner. Tu vas tenter ta chance, hein. Sait-on jamais. Angela, tu avances. Toi, tu suis le mouvement. Ah bah l'élème l'a éliminé. Du coup on a réussi une battle task, détruire les golems de fer avant que les greenskins ne soient vaincus. C'est 100 GP. Ah bah de toute façon tuer tous les greenskins avant que les golems, ça aurait été 100 GP. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon le battle task, elle était acquise. Voilà. Voilà, combat relativement easy. Amulette de la nuit, barre d'argent, barre d'or, du gold... Un rosaire, un masque sacrificiel, une dague sombre, magnésium, croc d'orc, feuille royale, de la pyradine et des champignons en cercle. Du coup, il y en a une qui a été fail, oui, bah parce qu'on peut pas faire les deux, hein. Le fort est en ruine et jonché des cadavres des pauvres tombés au combat. Le chef Yasgut parmi eux.
Bien que certains soient moins pulvérisés que d'autres, aucun orque n'est sorti. Les golems de fer sont éclatés et allongés sur le dos au milieu des restes des huttes effondrées de Yasgut. Leur métal poli, salement amoché et édenté par le nombre de coups qu'ils ont fini par prendre. À part le craquement du feu du fort, tout est silencieux. Angela s'agenouille pour inspecter les restes inactifs des golems de fer. À ce moment, le calme est rompu par un hurlement glacial. Enfin, glaçant, quoi. Ah, vous avez entendu ça? Les wargs! Ils ont dû sortir de leur enclos! La meute vient droit vers nous! Saleté de chien! Ils attendront leur tour. Il me faut d'abord une minute pour comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'était cette histoire avec ces golems de fer? Madame chasseresse de vampires, nous devrions sortir d'ici avant que plus de ces saletés de loups ne nous suivent notre piste. Il doit en avoir une sacrée quantité qui arrive des marécages avec un tel hurlement. Et attends, il y a quelque chose de curieux avec ces restes de golems. On peut juste vérifier? Ouais, on va devoir se battre contre des wargs, mais on va essayer d'enquêter un peu. Comme le reste de tout ce qui s'est passé ici, j'ai l'impression, que de tous les tarés ici, j'ai l'impression que ces boules de poils pleines de dents nous tiennent responsables pour la mort de leur maître. Il n'y a aucune chance que tu aies appris le warg durant tes années à l'académie, j'imagine. Même si je l'avais fait, je ne pense pas que ça les intéresserait de résoudre ceci de façon diplomatique. Ouf, raour. Ouais, de toute façon, avec ces espèces de grognards, on pourrait effectivement pas avoir le dernier mot. Alors, Battletast, 2 gold bars, si on gagne avant le tour 12. Ils sont extrêmement, extrêmement nombreux et ils sont extrêmement mobiles. On va extrêmement galérer. Et par extrêmement, je veux dire extrêmement. Ouais, par extrêmement, je veux dire extrêmement. Il faut qu'on voit comment on va procéder pour notre défense. J'aimerais qu'Angela pose son tonneau et qu'au premier round, elle recule. Mais ça va forcément laisser ici un espace. Donc il faudrait une unité pour aller combler cet espace, probablement lui, et lui va essayer de resserrer les rangs. Angela, as-tu assez d'espace pour passer là entre? Je ne suis pas sûr. On va faire ça. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que je vais faire là. J'ai pas fait de sauvegarde avant ce combat. Cela dit, il y a 3 tours de déploiement, Warg, Iron Killer et Green Skins, mais ils ont l'air d'être tous de la même faction. Vous voyez, ils ont tous la base... grise. Le problème, c'est qu'en fait, tu peux pas bouger, toi, Angela. Non. Est-ce que du coup, j'ai pas envie de faire une sortie pour aller tuer ceux-là? Le problème, c'est qu'ils vont tous arriver sur moi derrière. Donc, si je fais une sortie, vous allez tous vous faire défoncer par eux. Toi, j'aurais dû positionner à droite pour que tu les shootes dès le départ. Plutôt pas une bonne idée tout ça. Bon. Amen. Amen. Je sais pas comment on est censé gagner ce combat parce qu'ils vont tous être au cac dès le premier round. Donc on va prendre des quantités de dégâts un peu grotesques. Et eux ils ont beaucoup de points de vie, ils ont tous 3 ou 4 PV. Voire même 5 pour celui-là là.
Et Nazel est au cac, ce qui est extrêmement fâcheux. Parce que Nazel ne pourra pas lancer sa boule de feu. Alors, je crois que la big mistake, c'est toi qui viens de la faire, ma grande. En tapant à côté. Ouais, Nazel va pas pouvoir tirer, donc on va être dans une sombre merde. Je sais pas comment on est censé s'en sortir sur ce combat, ils sont beaucoup trop nombreux, hein. On n'a aucune chance. Hein. On est déjà très mal parti là. C'est-à-dire j'ai eu un très mauvais positionnement, et ça c'est le type même de combat de Age of Fear, combat histoire, sur lesquels tu affrontes un nombre d'unités extrêmement élevé. Donc tu comptes sur tout ce qui va être typé AOE hein, pour t'en sortir. Allez, un mort. Plus que quelques douzaines à tuer. Seulement les peaux vertes. T'avais domestiqué des animaux plus agréables et plus dociles. Des lamas, des moutons, des lapins. Un gobelin qui chevauchera un lama au combat. Ça effectivement, ce serait une vue intéressante. À qui le dis-tu? Le problème, c'est qu'on est déjà obligé de claquer des soins, plusieurs soins dès le premier round de combat. Ah, toi, tu peux pas faire de soins, évidemment, puisque tu es au cac. Ouais, tu as touché un, mais il est pas mort, visiblement. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, toi, tu peux faire un soin sur ton pote qui est là. Alors on a quand même tué un paquet là. Toi, le problème c'est que tu vas te faire rosser par tout le monde mon pote, mais il faut que tu survives. Est-ce que tu peux manger un cadavre? Pour te soigner? Oui, mange donc un cadavre. Et c'est bon pour ton régime alimentaire. Bon, le tonneau s'est avéré être une bonne idée, mais... Le problème, c'est vraiment la quantité d'adversaires, là. On va essayer de les tuer pour les mettre en déroute. Hein. Toi, il te reste du coup, nous rend 3 attaques grâce à Cleave. Attends, la mienne en déroute, mais c'est pas comme ça que j'aurais aimé que ça se passe. On n'a plus de sorts de soins disponibles. Oui, tuer lui là, ça arrangerait, ça libérerait Angela qui pourrait du coup en buter 2. Parfait. Les autres peuvent tous nous tomber dessus encore. Hein. Ils sont encore à portée, mais ils sont d'un seul coup déjà beaucoup moins nombreux. Toi, si je te fais avancer ici, alors lui est en fuite, ok, mais les autres, ils pourraient être nombreux à venir te tabasser. Hein. Ah, peut-être pas tant que ça, en fait. Hein. Voilà, on le blesse, lui. Faut espérer qu'il va continuer à fuir. Toi, ton problème, c'est la mana. Donc, tu fais méditation pour te rendre de la mana. Toi, tu n'as pas méditation. Alors, on va essayer de faire en sorte que tu n'aies pas besoin de mana. Sachant que tu viens de gagner un point de mana, quand même. Eux, ils vont venir au cac, ça c'est sûr. Et les gobelins, ils vont venir sur le loup. Pas sur le loup, non.
Yo, méchante, méchante! Endurcis-toi un peu, mon gars, hein! Tu vas embarrasser ta monture. Tu vas essayer de le tuer. Voilà. Toi, le warg, si tu poursuis celui-là, tu peux te faire attaquer par ces deux ici, ce qui serait moyennement arrangeant. Donc, on va plutôt te recentrer sur la défense. Toi, tu vas soigner lui. Lui, il pourra toujours manger un cadavre au prochain round. Si le cooldown est up. Joli, joli, l'ami. Forgive me, father. What is it? Don't cross me. Come to me, follow me now. Ok, eux ils bougent pas là-bas. Toi arrangeant, toi dévore un cadavre, merci. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont laissé les cadavres au sol sur ce scénar. Pour que tes unités qui ont la capacité de dévorer les cadavres puissent le faire. Ok. Toi tu vas reculer un coup. Toi t'as un soin mais on sait pas trop qui on veut soigner pour l'instant parce qu'on est plutôt bien là. Vu le nombre qu'ils étaient au départ, le fait qu'ils soient plus que 3 c'est plutôt arrangeant. Donc lui il est revenu au cac. Voilà. On va commencer à faire une sortie pour les deux autres là. Let's hear it. Vous allez avancer, mais en restant un peu derrière. Voilà. Une sortie. T'as encore quelques sorts dans ta manche. Ravi de le savoir. Toi, peux-tu attaquer lui derrière? Oui. Toi, tu viens là, tu vas tuer lui. Toi, t'as Angela, de toute façon, il n'y a plus qu'un adversaire. Alors, tu peux pas faire plus d'une attaque. Si t'avais pu tirer, tu l'aurais tué. Bon, là, t'es au cac. Toi, est-ce que tu peux l'achever? Parfait, merci. On a gagné le tour 12, donc on aura 2 barres d'or en récompense. Eh, par terre là, un morceau du golem de fer s'est fait découper. Intéressant, il y a une rune. T'as déjà vu ce symbole, Nazel? Madame chasseresse de vampires, on n'a pas le temps de traîner ici. Il faut qu'on parte, maintenant. Oh, du calme. Il n'y a plus rien de vivant dans ce fort. T'es pas une poule mouillée, Nazel. Je devrais faire attention à ta pression sanguine. Ok, j'ai vu ce que je devais voir. Partons. Peut-être qu'un peu d'air frais calmera nos nerfs. Ce golem. J'en ai vu de ce type dans les... Enfin, j'ai vu du fer de ce type dans les mines des montagnes de la Griffe. C'est à des lieues d'ici. Comment serait-il venu depuis là-bas? La distance de voyage n'a pas vraiment d'importance pour une construction telle que celle-ci. Le clan du marteau de l'enfer est originaire de ces montagnes. Vous avez déjà entendu parler?
Le gang des nains? Ouais, apparemment ils sont aussi paranoïaques que ivres. Et ils sont tout le temps l'un comme l'autre. Et riches à en crever aussi. Il se dit qu'une personne qui verrait leur quantité d'or risquerait de devenir complètement dingue. L'or, hein? Va falloir qu'on enquête. Bien qu'un golem contrôlé à distance ne ressemble pas au modus operandi des nains habituels. Je dois admettre que c'est vrai, mais ces criminels cherchent toujours de nouveaux moyens de voler le pouvoir de leurs rivaux. Un atelier nain doit être capable de produire tout type de construction. Et puis les montagnes sont charmantes à ces périodes de l'année. Eh, les bêtes salines là, vous vous portez comment en altitude? On préfère rester au niveau de la mer. Eh, on est de bons grimpeurs. Ok, c'est fait, on va en route, on se met en route. Là où nous partons, il fait plutôt frais, mes potes de la plage, pas besoin d'emmener vos combinaisons de nage. Vous avez trouvé une information très importante. Récolter des indices vous aidera à finir la campagne et à débloquer des fins alternatives. Et car ce que j'aime sur ce qui est annoncé avec cette campagne, c'est que cette campagne annonce plusieurs fins alternatives. Aura-t-on de nouvelles unités? Pas encore, pas encore. A-t-on de quoi passer élite? Oui. Un peu plus de PV sur Angela. Toi, 256 XP, non, élite, c'est pas pour toi tout de suite, mon pote. Hein. Reprendre Arcane Master hein, pour que tu aies plus de mana. Bon, t'as déjà 10 en mana, c'est déjà pas mal. Toi, il reste Adrénaline et Fine Senses. Fine Senses te permet de voir les pièges. Adrénaline te donne du moral sur une attaque réussie. Mais le moral surnuméraire baisse à chaque round. Il n'y a pas vraiment d'upgrade qui soit intéressante là, mais on va prendre quand même Fine Senses. Toi, tu as 518 XP, donc tu peux prendre ce que tu veux. De toute façon, tu es full. Tu n'as plus rien à... Voilà, plus d'options d'amélioration pour toi, Deepshika. Narve, on peut te prendre Shieldbreaker. Donc, Shieldbreaker, c'est quoi? C'est que tu vas ignorer tout point de défense au-dessus de 3, je crois. Plus 1 par niveau d'ennemi. Donc, si on a un ennemi qui est, mettons, niveau vétéran, c'est-à-dire niveau 2, tu vas ignorer toute la défense au-dessus de 5. Pour les attaques en mêlée. Mais donc, les adversaires qui vont avoir 10, 12... 15 en défense, toi tu vas pouvoir les toucher. Shieldbreaker, c'est très bien et c'est ce qui manque à notre Naga. Toi, Charles, tu vas prendre résistance magique et tu es full développé. Toi, élémentaire d'eau, j'aimerais que tu deviennes élite. Pas pour tout de suite. Toi, la sirène soigneuse, j'aimerais que tu deviennes élite, mais c'est pas pour tout de suite. Toi, le warg, silence, devient élite. Ça, on peut le faire tout de suite. Donc, j'ai deux warg élite, silurien et silence. Toi, la sea witch, j'aimerais que tu deviennes élite. Toi, j'aimerais que tu progresses fire elemental, mais pas encore. Quant à toi, tu as 700 XP. Qu'est-ce qu'on va prendre? Magical armor, si vous voulez. On va commencer à lui prendre des trucs, parce que bon, voilà, hein. On va le prendre filet en métal, tu snares les gens plus longtemps. On va prendre rapidité. On va prendre furtivité. Parce que lui, de toute façon, au niveau upgrade, il n'y a plus que ça à prendre. Donc, il est bientôt totalement upgradé. Toi, Jellyfish, on veut que tu aies au moins 300 XP qui restent après. C'est-à-dire qu'on va attendre qu'il y ait 400 XP pour prendre War Runes. Ou oh, quoi que non, puisque de toute façon, il ne peut pas s'upgrader. Donc on augmente son attaque et sa défense avec Warune, ça augmentera ses chances de toucher parce que lui en attaque défense il est un peu pauvre.
Toi, le nain, lui, on l'a embauché lors d'un événement. Tu vas devenir vétéran. Donc, c'est un archer. On n'a pas beaucoup d'archers dans notre groupe et on pourrait avoir envie de l'embaucher. Par contre, toi, tu vas venir là en position 10. Toi, on veut que tu sois élite. Il te manque genre 100 XP. Toi, là-bas. On voudrait que tu sois élite, mais tu peux pas être élite. Tu l'es déjà, non? Bah non, mais apparemment, il peut pas devenir élite, lui. Il peut pas aller au-delà. Bah si, il est élite. Ah oui, ils sont élites. Ils ont la médaille d'or. Le problème qu'ils vont avoir, c'est un problème de points de vie. Hein. 5 points de vie, c'est très peu. Hein. Je pourrais prendre attaque drain de vie. 5 points de vie, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Pour une unité au CAC. Ce que je me tâte à faire, c'est voir si je veux pas faire un aga. Développer un aga en archer. Donc je vais recruter un autre naga que je laisserai derrière, hein, qui va essayer de devenir un archer. Bon, qu'est-ce que j'ai gagné comme item avec tout ça? Donc les gens qui ont les bouteilles ici, ça indique qu'ils ont des potions. Très bien. Toi, Angela, ce que j'aimerais te donner à terme aussi, maintenant, le prochain skill qu'il va falloir te donner, c'est quand tu auras 400 XP. C'est dual wield. Et c'est pas pour tout de suite. Hein. En bouclier, on a que des quality shield. Est-ce qu'on pourrait te donner ce casque en écaille de dragon? Ça réduirait ta vitesse, ça augmenterait ton attaque et ta défense. Ce serait pas forcément mal. Le problème, c'est les moins 20% de speed qui font pas plaisir. Si je te l'équipe, tu as plus que 8 en speed au lieu de 10. Hein. Ça augmente tes chances de toucher, cela dit. Donc on va essayer de faire ça. Je sais pas, on va voir. Hein. Nazel. On pourrait t'enlever ta Fire Wand, mais ça te donne Firebolt et Fireball. Donc ce serait triste. On peut pas te donner de bouclard. Je suppose que tu as une arme à deux mains avec ta baguette, non? Non, c'est un bâton, donc c'est une arme à deux mains, je suppose. Ouais, elles peuvent pas être utilisées avec un bouclier, évidemment. Tu as cette cape de Ranger, qui donne 20% de speed. Ouais, on pourrait te donner ce masque sacrificiel. Si tu es d'alignement sacré, tu peux pas l'utiliser, ça donne plus ça en défense. Ça te donne sacrifice et dark vision. Sacrifice, c'est quoi? Pourrait te donner un casque doré, pourrait te donner des vêtements de noble. J'hésite avec ce casque qui pourrait te donner de la défense. Ça pourrait te mettre à, parce que bon, t'as attaque 1, défense 2, Nazel en même temps. Hein. T'es un peu à la ramasse, mon pote. Ring of Magic, Ring of Protection, plus ça en défense, et si on enlève ça pour donner un Ring of Magic. Pantif sacré, plus ça en défense, Holy Strike, ça te change en Holy. Amulette durant la nuit, pardon. Amulette de destruction, moins 1 attaque, moins 1 défense, mais double damage. Ça pourrait être intéressant. Mais je pense que le double damage, c'est que sur les dégâts de base. Sur l'attaque de base, pas sur les compétences. Bon. On va continuer. Hein. Donc du coup, on a eu un double combat. Est-ce qu'on veut se mettre sur une autre piste? On voulait voir Grogan et Hammer justement à un moment donné.
On pourrait aller voir le Dark Castle, mais il n'y a rien à y faire. Le cinquième seigneur du crime. Si on vient à l'auberge là, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien de particulier. Donc il faut qu'on aille voir Grogan. De toute façon. Angela et Nazel voyagent vers les montagnes de la Griffe et se trouvent rapidement en train d'escalader un chemin assez pentu qui porte pas mal de traces de chariots très lourds visiblement, il y a peu de doute, c'est le chemin vers les mines de fer du clan Elhammer. Alors que la route commence à s'élever, un clic-clic répétitif venant probablement de pioches qui frappent de la pierre perce l'air. Angela avance vers une fissure dans la falaise et regarde vers le bas, vers l'ouverture du puits de mine gardé par des nains. Équipés avec un arsenal assez intimidant, les nains qui ont l'air robustes se tiennent prêts, assez visiblement préparés à repousser des visiteurs non désirés. Pas trop possible arriver à ce point-là, de revenir en arrière et de vous retirer. Il n'y a pas d'autre option que d'approcher l'entrée de la mine. Eh bien, nous y voilà. Après une charmante randonnée, nous sommes arrivés aux mines de fer du clan Elhammer. Et n'oublions pas les gardes armés. Ce ne serait pas une opération contrôlée par une foule en colère s'ils n'étaient pas là, n'est-ce pas? Les muscles des nains sont parmi les plus puissants de ces terres, mais ce sont aussi ceux qui travaillent le plus dur. Ils sont toutefois impulsifs et ils aiment l'argent. Conflit de personnalité, vous voyez. Et ils refusent obstinément d'écouter quiconque et qui que ce soit. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais d'ailleurs. Et ça serait qui? Hey, tu fais de l'humour, Nazel? Oi, intrus, arrêtez-vous. Wow, on n'est pas là pour poser des problèmes, monsieur le nain. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous faites dans un endroit aussi problématique que celui-ci, ma grande? Vous ne savez pas à qui appartiennent ces mines, hein? Si le H doré sur ton bouclier n'était pas une indication, non, je... pas. Ne saurais-tu pas une chose ou deux sur les golems de fer meurtriers qui se promènent et qui écrasent les têtes? D'autant que les golems de fer ne s'en prennent qu'au seigneur du crime. Quoi? À qui t'as parlé, toi? Est-ce qu'elle a dit le mot qui commence par G? Je crois qu'elle a dit le mot qui commence par G. Il semblerait que quelqu'un... enfreint quelques ordres spéciaux. Bah, j'ai une réponse pour toi, ma gonzesse. Les morts ne parlent pas. On a parlé d'ordre spécial. Ils sont en train de charger leur pistolet, là, Angela. Tu devrais te mettre à couvert. Oui, c'est devenu hors de contrôle très rapidement, là. Alors, Battle Task, Fire Runestone, éliminer tous les Tesla Gunners avant le tour 12. 1000 gold piece, gagner la bataille avant le tour 16. Le truc, c'est que, pas qu'ils sont nombreux, ils ont beaucoup de tireurs, beaucoup. Et ils sont derrière des barricades, donc je sais pas comment on est... Il va falloir qu'on détruise les barricades, et j'imagine que eux ne vont pas sortir de là où ils sont, puisque à part 2 gus au cac, le reste, 3 gus au cac, c'est que des tireurs, quoi. On va galérer hein, contre eux. Est-ce qu'on a notre sirène? Ouais, parce qu'elle, elle fait des dégâts AOE. On va avoir besoin de tous les dégâts AOE qu'on peut avoir, là. Le problème, comme dit, effectivement, c'est qu'il va falloir qu'on soit rapide. Rapide, pas vraiment. Eux, ils sortiront pas. Normalement, ils devraient pas sortir, là. Ils vont pas casser leur propre barricade. Je vais laisser passer un tour pour voir comment se comportent les nains.
Ah, mais y en a qui sont en dehors. Ah, c'est fâcheux. Je n'avais pas vu ça. Ah, nous avons un problème. Houston, we've got a problem. Je n'ai pas la main. Si, je l'ai récupéré la main. Oui, les autres, ils sortiront pas de leur barricade, donc c'est pas grave. Il faut d'abord qu'on s'occupe de cela et après qu'on se rabatte sur la barricade. Ah si, du coup, ils sont plus nombreux que je... Ouais, ça m'aurait étonné, hein, un scénario d'histoire sur ce jeu sans un nombre d'ennemis extrêmement élevé. Ouais, par contre, les barricades, elles ont l'air de faire sacrément ramer, là, avant que ce soit notre tour de jouer. Toi, tu vas prendre le... Oh, oh. Que... Oh, merde. Ils sont paranoïaques. On a marché dans un champ de mine. Détruisez-la avant qu'elle explose. Ok. C'est piégé ici. C'est pas très sympa pour les nains à l'extérieur que les nains à l'intérieur viennent pas les aider parce que clairement ils sont en sous-nombre. Alors, le problème c'est que lui il est hors de notre portée, nous on est dans sa portée pour qu'il nous shoote. On peut envoyer les wargs et lui pour le tuer, mais ça suffira pas. Je peux faire 3 points de dégâts, il a 4 points de vie. Donc de toute façon, lui, je peux pas l'empêcher de jouer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu plus près. De toute façon, lui, si on vient en cac, lui va nous tirer dessus, vous voyez. Donc, de toute façon, on va se faire tirer dessus par au moins une personne. Nazel, mets-toi derrière. On va tester leur Tesla Gun, voir ce que ça fait comme type de dégâts. D'accord, ça tire sur 3 personnes. C'est désagréable. Si ces tireurs, ils tirent tout sur 3 personnes, ça va être désagréable. Bon, en plus, les nains, ils ont de la résistance à la magie, alors les boules de feu, tout ça, c'est gentil, mais c'est un peu has-been. Voilà, on fait péter la mine. Qu'ils se fassent tuer par leur propre mine. Ça leur fera les jambes. Ah, t'as la chance de m'avoir tué, gonzesse. Nous, les lameurs, on ne se rend jamais. Vraiment? Tu vas mourir une fois que ce plomb arrivera dans ta tête. Est-ce vraiment malin de se moquer de lui, madame chasseresse de vampires?
Et où avez-vous appris à comprendre le dialecte des nains? Alors lui, il va nous shooter. De toute façon, faut pas qu'on se pose des questions là, faut qu'on avance. Hein. Je veux dire, de toute façon, on va se faire tirer comme des lapins. T'as déjà joué, Nazel? Ouais, les mecs avec les Tesla là vont être un problème, hein, ça c'est sûr. Oh, la mine, là, c'était un problème. On a pris énormément de dégâts sur lui. Eux, des Tesla, ils en ont 3. Ça va être un problème. Je ne vous le cache pas. Voilà, tu touches 2 gars. Hey, ça fait mal. Va falloir qu'on commence à faire sérieusement attention à notre santé. Ouais, il va falloir que je picole. J'en ai bien besoin. Ah, c'est vrai que eux, ils peuvent se soigner en buvant. Ils ont tous une charge de soins grâce à leur bière. Là, tu vas au cas qui sont weak en attaque mêlée, donc qui sont moyennement dangereux quand ils sont en mêlée. Donc lui va mourir du poison de toute façon. Hey! C'est ça, là vous avez franchi la ligne. Faites vos prières, saleté d'un. Donc toi t'élimines celui-ci là. D'accord, ce sera à moi de jouer. Ah bah il s'est éliminé tout seul en fait. Avec le poison, tout ça. Donner un peu d'XP à nos loups. Toi, tu vas éliminer celui-ci. Ok, on a éliminé le premier groupe. Faites vite. Toi, tu vas te soigner toi-même. Toi, autant j'aimerais que tu avances, mais c'était pas malin parce que j'étais en train de dire je veux pas te faire avancer parce que tu vas te faire tirer comme un lapin. J'ai mis ce clic. Ah, ils sortent. Ça, c'est bien, c'est arrangeant qu'ils sortent. Est-ce qu'on veut avancer? Le problème, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tireurs. Si on avance, on va se faire focus, on peut se faire déchirer. Mais par déchirer, je veux dire déchirer. On va laisser leur cac sortir. Les barricades font sacrément ramer le jeu. Hein. You've just made a
Ouais, t'aurais mieux fait de rester couché, toi. Est-ce qu'on veut foncer sur lui? Ça m'arrange pas, ces histoires. Est-ce qu'on veut détruire ça? Oh la vache, les points de vie qu'ils ont! On va les détruire à distance, hein. Les gars, si vous voulez pas sortir, on va péter vos barricades, hein, c'est pas un problème. Le problème, c'est vraiment la quantité de dégâts qu'on va subir à distance. Il va falloir qu'on ait des unités très mobiles pour essayer de coller un maximum de mecs différents. Voilà, une petite Chain Lightning. Ah, il s'approche. Ça, c'est une riche idée. Maintenant qu'il y a un trou dans leur défense, ils bougent. Là, le problème, c'est que notre Naga peut se faire shooter par plein de monde. Toi, fais ta tornade ici. Donc lui va utiliser sa charge de bibine. Allez, au cac avec lui, c'est pas très malin, mais si on met suffisamment de gens différents sur la table, peut-être qu'ils répartiront assez leurs attaques pour qu'on n'en souffre pas trop. Du coup, toi, bah, hop, vas-y aussi. Voilà, on casse leur défense et puis on va essayer d'y aller là. Il y aura forcément un round ou deux où on va galérer. On va essayer de profiter du fait que ils sont blessés et qu'il y en a deux ou trois d'entre eux qui vont se soigner plutôt que de nous tirer dessus. Ce qui est bien évidemment pas intelligent, mais bon, il y a. Les Tesla sont vraiment dangereux. Hein. Ah merde. Toi, t'as pas de soin. Ah merde. On a personne à porter de la Naga pour la soigner. Naga, faut que tu popotes. Tu peux pas popoter, t'es au cac. Ils sont où les Tesla? C'est quoi? Viens là. Les Tesla Gunner, il faut les choper au cac, hein, ça c'est sûr de toute façon. Toi, une boule de feu aurait pu être du meilleur effet, mais bon, de toute façon, contre les nains, les boules de feu, ça marche moyennement. Ils résistent trop à la magie, ces gens. Ça, c'était pas très malin de te foutre là, toi, mec. Pas trop convaincu par ce que je fais là sur ce round. J'ai beaucoup avancé Angela. Ah, ils ont encore deux Tesla là derrière. Je croyais qu'ils en avaient que trois. Ils en avaient quatre. Ah, c'est pas arrangeant, hein.
ignite here. Just try to stop. You just made a big mistake. T'as un cleave, tu peux taper sur lui. À moins que vous ne vouliez tous finir comme eux, posez vos armes. Ah, tu peux pas taper sur lui, il est trop loin. Tu m'élimines ce Tesla Gunner, merci. Toi, tu le tues, tu vas essayer d'affecter le moral de tout le monde. Est-ce que toi, tu peux venir chercher ce Tesla Gunner pour le tuer, s'il te plaît? Merci. Toi, tape sur ce fuyard, merci. Toi, tu rentres. Toi, tu vas healer Angela. La Zelle t'avance et toi, t'avances. Logiquement, on va perdre personne, là. Eux deux sont au 4, donc ils sont pas dangereux. Il y a eux 3 là, qui peuvent être dangereux. Et à eux 3, ils tueront pas nos gens. Même si la mine qui a explosé à côté de Nazel est pas passée loin de nous coller en game over, là. Toi, va choper le Tesla au cac, merci. Toi, si tu viens là, est-ce que tu peux toucher les deux? Plutôt bien. Toi, le Naga, tu peux aller achever celui-là. Bzz, 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 qui suis-je? Un mort-nain qui tient une baguette électrique. En un mort, pardon, qui tient une baguette électrique. Bah oui, les Tesla Gun, quoi. Ok, lui, il est en fuite. C'est bon. Il n'y a plus qu'à aller assassiner le fuyard. Un boulot pour Mewarg. Alors on n'a pas tué tous les Tesla Gunner avant le tour 12, malheureusement. On a gagné avant le tour 16. Parce que je crois que c'est au tour 13 qu'on a éliminé les Tesla Gunner. On a trouvé une clé lunaire. On a gagné 1000 gold. Avec le dernier des gardes vaincus, Angela et Nazel approchent dans l'entrée de la mine. Le puits de mine est bien éclairé par une succession de lanternes à huile qui brillent. Et vous ne voyez pas âme qui vive. Avec le pistolet tiré, Angela mène la troupe à l'intérieur. Le son lointain et les échos résonnent dans le tunnel. Quelques moments plus tard, un mineur nain couvert de la tête aux pieds de suie entre dans votre champ de vision avec un sac sur l'épaule et une pioche. Il pousse un profond soupir, ce qui secoue sa barbe noire. Tête baissée et yeux à demi fermés, le mineur ne remarque même pas la présence du groupe en retournant à la surface. Angela se racle la gorge pour attirer son attention. Épargnez-moi, s'il vous plaît, je suis pas votre ennemi. On ne cherche pas à se battre, les imbéciles, tu n'es pas en danger. Et où sont les gardes? Vous les avez tous tués, non? Ne me tuez pas aussi. Ayez pitié. Je n'ai pas vu le soleil depuis des jours. Et j'ai encore une vie à vivre. Ces maniaques de l'électricité devant la mine l'ont bien cherché. C'est eux qui nous ont tiré dessus. Tout ce qu'on voulait, c'était discuter un peu avec les grandes pontes ici. J'ai quelques questions par rapport à une querelle que nous avons déclenchée un peu plus tôt. Quoi? Quand les grands pontes sont-ils impliqués? C'est à propos de rations? Ta pioche n'est pas la seule chose qui semble être un peu neuneux ici, mon pote. Alors, jeu de mots difficile à traduire, quoi, du coup. Essayons encore. On est là pour parler aux gars
qui est en... Ah non, parce que Grand Ponte, en fait, en anglais, c'est le Big Cheese. Sauf que Big Cheese, lui, il a pris ça, cheese, comme la bouffe. Ouais, donc, beaucoup de jeux de mots qui sont très difficiles à traduire en français, quoi. Mais là, pour parler au chef, par où se trouve Grogan ? Si vous avez trouvé que les gardes prenaient la mouche facilement, qu'est-ce qui vous fait croire que ce sera mieux avec le chef ? C'est pas le genre de gars qui aime parler beaucoup, hein. Ça, c'est notre problème. Il doit avoir son fort quelque part dans les montagnes, non? Peut-être y a-t-il un chemin plus calme pour l'atteindre. Et avec un peu de chance, y aura-t-il pas de taré de la gâchette sur ce chemin? Ouais, prenez le chemin par les cavernes là-bas. Suivez-les jusqu'au bout, ça vous amènera jusqu'à la porte de derrière du fort. Mais attention, hein. Il y aura peut-être pas de barbe là-bas, mais il y aura des choses dangereuses qui rampent et qui grouillent. Ça, je veux bien te croire. Les choses sont assez dangereuses en haut. Je n'ose pas imaginer ce qui rôde là en bas. Qu'en dis-tu, Nazel ? On va faire un peu de spéléologie ? Seulement si vous insistez, madame chasseuse de vampires. Une vie civilisée sur le sol, enfin sur terre quoi. Voilà ce que je cherchais en faisant mes études. Eh ben, pressons-nous avant d'attirer l'attention de plus de nains. En suivant les directions des mineurs, Angela et Nazel avancent dans les cavernes profondes et sombres sous le système des montagnes de la griffe. Les tunnels vous rendent un peu claustrophobes. Vous avez peu de place pour respirer et la lumière des torches suffit à peine à illuminer le chemin. Après avoir lutté pendant un mile dans ces couloirs, le tunnel s'ouvre sur une caverne plus grande. Soudain, les ombres commencent à s'agiter sur les murs et vous entendez des sons de tous côtés. Des champignons. Pour avoir le Helmet of Haste, il faut gagner avant le tour 12. Pour avoir l'Armure of Haste, il faut gagner avant le tour 8. Ce petit gars plein de suie avait raison. Les tunnels sont dangereux. Où est-ce qui nous bloque? Les champignons. Et ils sont nombreux. Eh ben moi qui m'attendais à quelques araignées mignonnes et toutes poilues. Bon, le bon côté de la chose, c'est que c'est une bonne façon de présenter à nos amis de la mer une délicatesse de la terre, les champignons. Madame chasseresse vampire, je pense que quelques boules de feu bien senties seraient tout à fait efficaces, hein. Oh, c'est quoi le fun dans lancer des boules de feu de loin? Et je préfère que mes champignons soient crus dans ma salade. Alors nous ne sommes par contre que 8, nous n'avons donc pas nos wargs avec nous. Et nous n'avons pas notre sirène sorcière. Nous avons toutefois notre force de frappe au cac habituel. Le problème des champignons, c'est que c'est des putains d'archers. Ils vont pas se déplacer beaucoup. Ils ont pas beaucoup de points de vie, cela dit. Mais ça fait beaucoup, beaucoup d'archers quand même, hein. Toi, si je t'envoie là-bas, à toi tout seul, d'ici que tu fasses assez de dégâts, tu vas te faire éclater la tronche, mon pote. Si je vous fais avancer, les gars, vous allez être à portée de beaucoup de monde. Mais faut quand même qu'on y aille, là. Le problème, c'est que j'ai qu'un seul gars rapide pour intervenir à gauche. J'envoie lui avec. Nous avons ici un champignon qui est fufu. Ça, c'est problématique, les enfants. C'est effectivement un problème.
Donc, ils sont normalement faibles face au feu. Gagner avant le tour 8, ça va être compliqué. Hein. Je vous le cache pas. Sauf à utiliser ses tonneaux. Il y a combien de fufu là? En fait, ils sont 75 les mobs ici, quoi. Encore une fois. Ah bah il y avait un fufu ici. Petit enfoiré. Toi, tu vas nous buffer. Nazel, il va falloir que tu joues de la boule de feu, mon pote. Le problème, c'est que si je te mets là, lui, il va venir te coller au cac. C'était pas très intelligent, ce que j'ai fait. Malheureusement. Donc, il n'y aura pas de boule de feu au prochain round pour Nazel. Ah non, lui, il n'a pas assez de mouvement pour venir sur Nazel. Ah, quoique... Si, parce que il y a des fufus. Il y a des fufus partout. Mais en fait, ils sont 75, quoi, les mobs. J'ai mal joué, j'aurais dû essayer de faire péter ce truc là-bas. Si j'avais su qu'il y avait des fufus, oui, c'est ce que j'aurais dû faire. Ouais, si tu pouvais lâcher lui, c'est très fâcheux que tu l'aies pas tué, mec. Très très fâcheux. Du coup, toi, faut que tu ailles le tuer lui. Que Nazel puisse jouer. Envisager une boule de feu. Qui est mal placée là. Vraiment pas efficace cette boule de feu, malheureusement. What do you require? C'est tout. Il y en a deux qui ont résisté alors que t'avais 90%. C'est pas très efficace, hein, mon pote. Vas-y, curé. On va mettre une mandale à cette personne. Ah, la boule de feu était pas très efficace là, malheureusement. Ah, mais il y a combien de putains de fufu ici? Oh, le naga va crever. Les problèmes de son par contre, invisiblement, avec ce jeu. Voilà, tu permets de libérer un peu Angela. Ça devient vraiment très désagréable, hein, cette quantité de fufu là. Je dois avouer. Les champignons sont sujets au moral. Intéressant.
Je dois avouer que les putains de fufus, c'est relou, hein. Et on souffre effectivement beaucoup. Hop là, raté en 90%. C'est tout à fait la marque de fabrique de ce jeu. Toi, si tu viens te mettre là au milieu, est-ce que tu peux en toucher deux? Oui. Laissez-moi vous montrer un truc magique. Vous voyez ce champignon? Maintenant, il est mort. T'aurais peut-être envie de te jeter un sort de charisme un jour avant d'essayer de faire des blagues. Bon, toi, faut que tu popotes, mon pote, parce que tu peux mourir, hein, sinon. Si on veut toutes les bonnes récompenses, faut qu'on gagne avant le tour 8, hein, je rappelle. C'est pas gagné, hein. Putain, fuis pas! Chaque fois, ils me font le coup. Toi, est-ce que tu peux soigner la naga? Non, il est encore trop loin. Hein. Toi? Ton cooldown de soin est pas up. Toi, t'as encore raté! On gagnera jamais avant le tour 8, hein. Avec des tocards pareils. Ah, t'as pris une blessure permanente, toi. Toi, est-ce que tu peux éliminer quelqu'un, s'il te plaît? Merci. Bon, comment est-ce que je m'arrange si je veux gagner avant le tour 8? You disgust me. Ok. Je vais gagner au tour 8, mais pas avant le tour 8. Je sais pas si j'aurai l'armure. Si, j'ai l'armor of haste. Apparemment. Oh. Et je pensais que ces blobs étaient pleins de slime vivant. Et mort, c'est encore pire. Attention, vous marchez les gars. Il va falloir nettoyer tout ça après, hein. Le problème, c'est que lui, il a chopé une blessure permanente. Et que là, je sais pas si je vais pouvoir rentrer chez moi tout de suite. Vous avez gagné le casque de hâte. Qui est excellent. L'armure de hâte qui est excellent. Je pense que je vais mettre les deux sur mon héroïne. Les champignons coupés en dés. Et sont éparpillés au sol, au pied du groupe. De nombreux membres continuent à bouger. Amusés, les membres les plus curieux du Sea People piquent du bout de leur lame le reste des champignons. Avant de vous aventurer plus loin dans la montagne, vous faites une pause pour un petit repas. Ne souhaitant pas gaspiller les fruits de votre travail, vous jouez le guide gastronomique. Les meilleurs choix, les meilleurs morceaux des anciens champignons finissent dans un pot
Et les six people regardent intensément Angela, qui leur montre une recette de survivaliste pour faire du ragoût de champignons. Ok, donc on a des combats optionnels. Chevalier en détresse et la forteresse de Nazel, mais de Grogan. Mais avant d'y aller, on va aller faire le point sur notre vie. Et mettre à soigner notre prêtre et notre naga. Notre naga qui a deux blessures. Donc pendant deux combats, la naga ne sera pas présente. Donc on va gentiment faire des combats random. Toi, t'es full développé. Toi, Narv. On va le prendre tough. Toi, tu as quoi? On voudrait que tu sois élite, mon pote. Greater Regeneration, c'est tu te re-soignes 3 points de vie par tour. Hein. C'est juste énorme. Hein. Toi, la sirène, tu peux devenir une Sea Witch. Non, merci, j'en ai déjà une. Tu vas devenir élite, par contre. Ce qui est plutôt pas mal. Toi, silence. Tu es déjà élite. On aimerait que vous ayez Life Drain attaque. Ah, si, si, en fait, tu peux booster tes PV. C'est Raw Meat Diet. Mais j'aimerais quand même que vous fassiez d'abord de la régène. Toi, tu peux devenir élite. Sorcière. Lucie. Toi, tu peux même pas choper Raw Meat Diet. Toi, tu peux toujours pas être régulière. Bon, les troupes qui ne sont pas dans les groupes qui se battent gagnent un peu moins d'XP, donc elles prennent un peu plus de temps à progresser. Jellyfish. Pas encore. Toi, Bentley. On pourrait faire de toi un haut prêtre bientôt. Inquisiteur, on n'a pas encore trouvé, mais le haut prêtre, on pourrait bientôt. Toi, notre nouveau Naga, on veut que tu deviennes Naga Archer. Et on a dit qu'on a de nouveaux objets pour équiper Angela. Donc nous avons un bouclier qui est gardien de la foi. Tu pourrais passer en affinité sacrée, mais tu l'es déjà. Tu aurais une charge d'imposition des mains, un point de vie plus deux défenses, ce qui est bien mieux que ça. Plutôt que ces vêtements de noble qui donnent un moral 10% speed, tu vas prendre l'armure qui donne pas de morale mais qui donne 2 défenses et 30% speed. Et plutôt que ce home là qui donne 1 attaque 2 défense, tu vas avoir le home de hâte qui donne 1 défense et 20% speed. Le home de hâte, je me demande, je crois que je peux pas l'utiliser sur le spellcaster. Donc avec ça tu perdrais 1 attaque 1 défense mais tu irais plus vite. En speed, t'as déjà 12, je veux dire, c'est déjà énorme. Alors avec ça, t'as que 10, mais bon, 10, c'est bien, quoi, pour quelqu'un qui est à distance, qui est pas censé se déplacer trop non plus. Donc il faut qu'on fasse deux combats où on n'aura pas besoin de nos meilleures troupes. Donc on va déjà essayer d'aller aider ce chevalier en détresse. Au centre d'une clairière dans la forêt, Angela et Nazel voient un chevalier qui est prêt à s'engager dans un combat mortel avec un clan d'orques. Bien que largement en sous-nombre et affrontant des chances proches de zéro, l'homme élabore des schémas avec son épée en l'air pour essayer d'intimider ses adversaires. Attendant à quelques distances, les héros regardent alors que le chevalier continue à prendre des postures et à agiter son épée pendant que les orques se gaussent de lui. Moliorc, vous tomberez devant la lame vertueuse de Sir Percival. Oh, ah, ah. Ce chevalier brillant pense qu'il est plus fort que 6 d'entre nous. 7, maître. 7. Nous tous. Espèce de petit malin de gobelin, hein. Je m'occuperai de toi après.
Ah, il bouge bien son épée, hein. On va le frapper avec un caillou. Hop. Eh, hey, où est votre honneur, bande de sauvages? Faites au moins semblant d'avoir un peu de caractère. Affrontez-moi ici et maintenant, mais soyez avertis. Je ne ferai pas de quartier. Quel crétin de chevalier. Le courage face au danger, c'est une chose. Mais il n'a pas l'air d'être capable de reconnaître un destin funeste. Ça, c'est sûr. Surtout lorsque destin est vert et qu'il est nombreux. Si on n'intervient pas, le chevalier va mourir. Ah, si on me donnait un nouveau héros, là, Sir Percival, ça me plairait beaucoup. Tâche de combat. Pour avoir une masse de chevaliers, il faut éliminer tous les orques avant le tour 12. Ils avaient pas... Hey, Mr. Knight. Comment ça se passe, là-bas? Oh, bien joli, jeune demoiselle. Je suis tip-top. Merci d'avoir posé la question. Et vous, comment vous portez-vous en cette belle après-midi? Moi, j'ai la pêche. Dites, messieurs chevaliers. Je ne remets pas en question votre courage, hein. Vous vous rendez compte de ce que vous affrontez, là? Oh, vous voulez dire, c'est brut? Ces forêts sont toujours pleines de peaux vertes à cette heure de la journée. Et enfin, là, les nombres sont contre vous. Ah, peut-être, peut-être. Ce ne sera pas nécessaire, madame. Je maîtrise, j'ai tout sous contrôle. Combien sont-ils? 1, 2, 12... Ah, si vous avez un peu de temps à tuer... Ouais, 7, qui disait le mec. 7! 7! Je t'en foutrais du 7. Bon, il faut couvrir Nazel. J'ai pas ma plus grosse force de frappe. Qui, je le rappelle, est mon naga. Et j'ai pas mon gros soigneur qui a résurrection en plus. Ça va être compliqué, hein. Par contre, j'ai oublié de jouer le chevalier, donc le chevalier va mourir en fait. Ok, un sale coup. On va égratiller ton armure. Ouais, donc on va devoir recommencer parce que Sir Percival, il va mourir. J'ai oublié de le bouger. Non, vous inquiétez pas pour moi, je fais que reposer mes yeux. Donc on va reload. Le problème, toi, c'est que si on ne sort pas de là, tu vas mourir. Donc il faut réussir à essayer de faire une brèche dans leur rang. Et nous, il faut qu'on avance plus, en fait. Il faut juste qu'on reste à distance de lui. Faut espérer que lui va survivre à ce tour-ci. Non, il a de la défense, hein, je veux dire. Défense 11, c'est pas ridicule, hein, mais... Il se fait toucher à 100%, lui. Je sais pas comment on va l'étaler, hein, s'il se fait toucher autant. Parce qu'on peut pas le soigner, lui, hein. Et toi, t'as pas de... Ouais, donc t'es mort, toi. Tu peux reprendre le combat. Le mec peut pas soigner du tout. Donc ça sert à rien.
Let's hear it. What do you require? Fais-le péter, lui, pour qu'il tue ses potes autour. Essaye de rester vivant, monsieur Chevalier. Tu t'occuperas de la poésie plus tard. On va essayer d'attirer leur attention, hein. Mais je pense pas que ça changera grand chose au destin de notre chevalier, là. Et avec 2 points de vie, il a aucune chance de survivre à ce round. Voilà, il est mort encore. Le challenge, c'est de faire en sorte que le chevalier survive ici. Je pense que ce combat, on peut pas le faire en l'état. Il faut qu'on puisse le raise, le mec. C'est-à-dire qu'il est dans une situation où on ne peut pas l'exfiltrer, en fait. On va essayer d'attirer l'attention des vilains au maximum. Toi, si tu vas là-bas, tu vas limiter le nombre d'adversaires qui peuvent t'attaquer. Le problème, c'est que le mec s'est vraiment littéralement touché à 100%, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. T'as un mec qui a 11 en défense, c'est difficile quand même de justifier que le mec se fasse toucher à 100%, quoi, à un moment donné, le jeu. Faut qu'on essaye de distraire un maximum d'adversaires. Il va nous coûter des troupes à nous. Je pense, ça c'est le genre de scénario que j'aime pas trop sur l'Age of Fear. Les scénarios où t'es un peu dans la merde quoi dès le départ. Parce que t'as pas le droit d'avoir de tour de mise en place. Ah, il a pas explosé. Ça, c'est fâcheux. Toi, si tu tues lui, t'as peut-être une chance de te créer une zone de sortie. Y a plus que toi qui a pas joué, mec. Empoisonne le vilain. Mais le problème, c'est qu'on a qu'un soigneur en plus, vous voyez. Donc ça, je pense pas que ce soit possible de s'en sortir pour l'instant avec cette compo de groupe.
Il faudrait qu'on réussisse à les faire fuir assez vite. Le problème, c'est que lui va se faire shooter par tous les gobelins. Et ouais, il va mourir. Vraiment, le mec se fait toucher à 100%. C'est impossible de le sauver. Impossible en l'état. Faut qu'on vienne avec le mec capable de raise. C'est impossible de faire quoi que ce soit pour lui. Hein. Bon, on l'a tué nous-mêmes. On va pas se prendre la tête avec ce scénar. Je pense que pour l'instant, on s'en sortira pas comme ça. On n'a pas de quoi le faire survivre. Le mec, il se fait toucher à 100%, littéralement à 100%. C'est impossible de le sauver. Donc, il faut qu'on puisse au moins le raise. Donc, il faut qu'on fasse deux combats pour récupérer nos troupes blessées. Ah bon, on va faire deux petits combats, hein, bidon. Qu'est-ce qu'on affronte aujourd'hui? Les troupes de la verdure. Bon, rien de bien méchant, cela dit. Ah, on a notre élème de feu. C'est moyennement intéressant, ça. C'est pas la créature la plus formidable de mon arsenal, hein, je dois bien avouer. T'es trop lente, toi, la sorcière. L'élème aussi, t'es trop lent. Les élèmes, je suis pas impressionné par leur rendement, hein, jusque-là. What do you require? Buckle up. I'm a pistol packing mama. Ah, j'ai vaincu. Bon, tu peux essayer de le buter. Voilà, on laisse venir. Toi, si tu fais un Chain Lightning, tu toucheras qu'une personne à la fois, c'est un peu naze. Voilà, ça c'est fini. Donc on peut déjà aller remettre sur pied le healer.
toi, on va te soigner ça. Cinq, six, sept, huit, ouais. On va faire un deuxième combat. On va faire un combat un peu plus dur, mais au moins dans un environnement correct. Le temps que notre... Qu'est-ce sont des démons ? Berserker. Donc on va faire ce combat le temps que nos gars se remettent. Notre naga en particulier. Et ma force de frappe principale. Se remettre. On va laisser venir. Chain Lightning, toi, là-dessus? Toi, une boule de feu sur eux, je suis pas sûr que ce soit très efficace, mais on va essayer. Ouais, quand même, t'en as tué. Hein. J'aurais pas cru. Tu as encore raté un tir à 90%, c'est pas étonnant de ta part. On va laisser venir encore. Pas de raison hein, de pas laisser venir. Toi tu peux faire un tir de feu sur lui. Là, tu vas dire bonjour à cette damoiselle. Toi tu lui dis au revoir. Au revoir à celui-ci. Ouais, tu vas dire bonjour à cette demoiselle qui maintenant est prise au cac. Donc toi la sorcière. Là toi tu vas avancer pour laisser la sorcière éventuellement avancer. Malheureusement non, elle peut pas avancer par là. Faut remplacer les lames de feu. Si. Ok, normalement on va récupérer le naga. Normalement. Vos unités ont trouvé des biens abandonnés. C'était les biens d'un marchand de potions. Eh ben écoutez, on les récupère parce que je crois qu'on en avait utilisé quelques potions. Bon, par contre, on n'arrive pas à trouver les diamants qu'il nous faut. Hein. Toi, par exemple, vous voyez, lui, il a plus qu'une potion. Donc on va lui donner une Healing Brew. Lui, il a plus qu'une potion. Et je crois qu'il faut que lui donne un Essence of Life. Et toi, par contre, on va te mettre là. Toi, on va te mettre là. Ça, si jamais on a que 9, on a ça. Ok. Niveau XP, qu'est-ce qu'on a glané? Moi, je vais donner Healthy parce que plus de PV, c'est toujours bien. Toi, je t'ai 600 XP pour être élite, ça n'arrivera probablement jamais à ce rythme-là, mais bon, toi, on veut que tu as tough, on veut pas que tu prennes des blessures permanentes. Toi, on veut que tu deviennes élite. Auto, un peu plus de PV. Toi, la sorcière, peut devenir True Neutral, Poison Resistance, ce serait pas mal. On va essayer de choper un Mind Blast quand même. Toi, tu peux devenir champion. Des loups.
Tous les loups alliés auront plus 2 en morale de base. T'en fous un peu. Par contre, la life drain attaque, c'est plutôt pas mal. Toi, la sorcière. Qu'est-ce qu'on va te donner? Il y a plein de sorts. Plein de sorts. Hypnose, c'est plutôt pas mal. Tu peux prendre le contrôle d'un hip en 2 tours. Ça peut être utile. Surtout qu'étant élite, ça marche pas en 4 tours. Ça peut être très utile, ça. Toi, l'aime de feu, enfin, tu peux devenir régulard. Quelle tristesse. Toi, silurien. Aussi prendre la life drain attaque. Et on pourrait te prendre autre chose. Toi, Conco, on va prendre tough. Toi, le jellyfish, pour l'instant, rien. On attend que tu aies 500 en XP pour te prendre Greater War Runes. Toi, Bentley, on peut faire de toi un High Priest aussi. Bienvenue. Chez les High Priest, toi, on voudrait faire de toi un Elite pour l'instant. Et toi, on veut faire de toi un Naga Archer. Il te manque 7 XP. Bien. Maintenant qu'on a chopé, on va réessayer le chevalier en détresse, même si je vois pas... L'intérêt, c'est que là, normalement, on a un mec qui est capable de lancer Résurrection. Donc le chevalier va mourir. Je veux dire, on peut rien y faire, mais peut-être qu'on peut le ressusciter. La lune sanglante brille d'une rougeur menaçante, mais aucune créature maléfique n'a approché du camp. Le problème, c'est que toi, vraiment, où que je te mette, de toute façon, tu vas te faire savater par tout le monde. Essaye de stun celui-là. Et vous, les gars, vous avancez. C'est quoi, toi, ton problème? Parce que c'est ce symbole-là. Bloodlust, adrénaline. Good tidings to you. Il vient de se prendre une double blessure permanente, lui en plus. Buckle up. Voilà, on joue sur le gobelin explosif. Je n'aurais pas été contre le fait qu'il fuit, genre lui là. J'essaye de te ménager une porte de sortie, mec, mais c'est difficile.
Par contre, le naga, c'est fâcheux, tu peux pas avancer plus. Toi, tu vas bénir. Amen. Amen. T'as quoi comme trait, toi? Qu'on les mette en déroute, mais pour ça, il va falloir être un peu plus efficace. Hein. On va avoir un très gros problème bientôt. C'est lui. Il va mourir. Voilà, soigne. Let us pray. What is be quick, please. Bon. Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Voilà, trois morts. Et un quatrième. Et il fuit toujours pas, hein. Petit coquin. Toi, si je t'avance, tu vas te faire casser la tronche, mon pote. Toi, t'as beaucoup de PV, mais tu vas te faire attaquer par 1, 2, 3, 4, 5, 12 personnes si tu viens attaquer lui, là. Il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 5 personnes qui vont t'attaquer. Peut-être même 6. Si tu vas attaquer lui. On va essayer quand même. Du coup, toi, tu vas aider. Là, je t'ai pas vu. Je te voyais pas, toi, là-haut. Ok, alors toi, t'as la boule de feu de up. Mets la boule de feu là. Je pense que tu peux la cibler mieux. Là. Voilà. Ils veulent pas fuir, hein. Ils enfoirés, là.
Welcome to the Gun Show. Snake it till just you try to stop it. Ils ont deux, toi Naga, s'il te plaît. Toi, tu peux rien faire. Bah, mange un cadavre. Bonne-toi au moins. Lui va contourner pour attaquer lui, ça c'est sûr. Bon, là, ils vont focus le naga, je suppose. Buckle up. Be quick, please. What do you require? Approche-toi du mec Arès, toi là-bas, et il va falloir que tu popotes. Prochain tour, tu vas essayer de regagner ta mana avec méditation. Parce que ça coûte 5 de mana. De rez. Bah t'as 5 de mana, cela dit. Je pense que je vais essayer de rez. Voilà. Parfait. You disgust me. Allez, backstab. Pucker up for a good night hiss. You disgust me. Battle task, c'est de gagner avant le tour quoi, 18, je crois. Mon chevalier, tu vas prendre ta revanche. T'as pas le droit de jouer quand t'as été raise. Dommage ça. Il donc le naga, toi qui as perdu un peu de vie, merci. Va faire un peu de backstab sur celui-ci, s'il te plaît. Merci, c'est tout à fait gratuit et ça me plaît bien dans l'idée. En fait, lui, il a pas beaucoup de points de vie. Enfin, il a 6 points de vie quand même, les LEM. Niveau tanky, on peut faire mieux, mais sa capacité de Greater Regeneration qui permet de gagner 3 points de vie par round, ça va le rendre extrêmement valable. Sur le long terme. Toi, tu moi celui-ci qui veut empêcher mes tireurs de tirer. Welcome to the gun show. Bon, Lork, tu te sens pas un peu tout seul, là? Il n'y en a aucun d'autre qui a fui, hein. Je dois quand même avouer que... Ils ont fait preuve d'un courage... assez étonnant, hein. Ouais, le chevalier, on va te permettre d'avoir le kill final, non? Gagner avant le tour 16, donc on va avoir les deux battle tasks de fait. On gagne un quality helmet de plus. Ma plus profonde gratitude à vous, aventurier. Sans votre entrée fortuite, ces pauvres m'auraient mis un coup ou deux. Je pense que tu t'en serais porté bien plus mal que ça, sœur. Je crâne beaucoup. Dites-moi. Comment es-tu arrivé dans une telle situation?
Que puis-je dire? J'aime bien me promener tout seul au milieu de la forêt. Quand le poids du monde se fait trop lourd sur moi, j'aime bien me soulager les idées. Ah ouais, tes idées auraient été bien soulagées, oui. Soulagées de ton corps. Te battre contre un nombre beaucoup trop important de peaux vertes, ça fait partie de ta routine quotidienne? Je ne peux le nier, c'est souvent le cas, effectivement. C'est un don étrange, cette capacité d'attirer les armées de peaux vertes là où je me promène. Je dois dire, madame, vous me rappelez Kara, ma femme, comme vous. Elle aussi, comment le dire, c'est me toucher le cœur. Et vous, le mage, peut-être est-ce votre visage, mais il y a quelque chose d'étrangement familier avec vous. Je ne peux pas mettre le doigt dessus. S'est-on déjà rencontré? Je ne suis pas sûr que nous nous soyons déjà rencontrés, monseigneur. Mes voyages m'emmènent souvent loin de chez moi et je ne peux pas me souvenir de tous les visages que je rencontre. Laissez-moi penser. Non. Votre posture ne me rappelle rien. Mage, vous me flattez. Eh bien, tant pis. Peut-être la faim qui me joue des tours. En parlant de faim, je vais rentrer pour manger. Vous voulez vous joindre à moi? J'aurais espéré que tu me rejoindrais dans ma troupe, en fait. En voyageant le long de la route, vous rencontrez un marchand errant. Il vous invite à regarder ses biens. Eh bien, on va faire ça. Ah, c'est bien triste qu'il ne m'ait pas rejoint, lui. On n'a pas gagné beaucoup d'XP en plus sur ce combat. C'est très très triste. Hein. Donc, on va te donner la capacité à passer en fufu. Toi, la sirène, on va te donner le Mind Blast pour que tu puisses quand même avoir une attaque à courte portée. Toi, le loup, on voudrait te donner le régime de viande crue pour t'augmenter tes PV. Toi, Charles, t'as plus d'upgrade. Toi, t'as plus d'upgrade non plus. Dipshika, Lucie, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Plein de choses. Genre, littéralement, plein de choses. On va prendre Hypnose. Silurien, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Pas grand-chose pour l'instant. Quant à toi, le nain, si on veut que tu sois élite un jour, il y a du boulot. Et toi, on veut que tu passes Naga Archer. Sera joaillier, Iron Mine, vétéran. On n'a pas encore vraiment beaucoup d'archers. On a 7700 balles. Hein. On va peut-être dépenser pour s'acheter quelques bons objets. Qu'est-ce qu'il vend le mec? Une Dark Dagger. Non, ça on peut la vendre, la Dark Dagger. On peut acheter quoi? En arme, tu vends rien, l'ami. Est-ce que tu vendrais pas à un moment donné un diamant? J'ai besoin de deux diamants. L'objet de quête, la Moon Key. Je pense que ça ouvrira la porte artefact relique, la tombe noire. Et par spellcaster non holy pour avoir 2 MP de plus invoqué white, mais ça te transforme en mauvais. Ah, j'ai pas de diamant et il en vend pas. Hein. Par contre, j'ai des perles pour aller chercher chez la sirène. L'ambrosia, c'est quoi? Soigne 3 à 5 PV. S'active automatiquement quand tu meurs. J'en ai une. Pour 2400 balles, je pourrais en acheter. Non, le prix d'achat, c'est 600. Le prix de vente, c'est 150. Mais apparemment, lui, il n'en a pas à acheter. Ok. Lui, par contre, il vend des sangs de démons. Ça fait quoi, le sang de démon? Soigne 3 points de vie et 3 points de mana sur soi. Ça enlève la brûlure et le silence. Utilisable uniquement par démons et morts-vivants, évidemment. Des essences de vie, on pourrait en acheter. Mais il n'en vend pas.
En fait, est-ce qu'on avait ces champignons pour se crafter des potions de mana? Les nimbus, je sais plus quoi, là, non? J'ai fait qu'un seul combat dans la Crystal Forest et je crois pas que j'ai de champignons en récompense. Si, j'en ai un là. Donc je pourrais me crafter une potion. Ouais, donc en fait, tu n'as pas grand-chose d'intéressant pour l'instant. Qu'est-ce que tu vends? Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre de ces Noble Clothes parce que j'ai pas besoin d'en garder 15. J'ai pas besoin de les garder tout court, d'ailleurs. Pareil, c'est d'armure de qualité, là, j'ai pas besoin d'autant. En arme, tout ce qui va être... Alors, j'ai une masse cœur de pierre, plus 1 attaque, plus 1 point de vie. Je pourrais te donner ça le jour où tu feras du dual wield, toi, Angela. Ça pourrait être intéressant, j'ai cette masse en glace noire. Ouais. Ces quality sword, bon, je vais pas les garder. Les quality mace, pas plus. Razor Edge, plus 4 attaques. Ça pour elle, c'est sûr, ce serait classe. Fléau des morts vivants, plus 2 attaques et Holy Strike, ça peut être intéressant. Les quality Warhammer, ça m'intéressera absolument pas. La faux m'intéressera pas. J'ai chopé une fourche que je ne veux pas garder. Une hache non plus. La masse de chevalier, par contre, elle a double dégâts, mais maladroit. Et ça, ça pourrait être intéressant aussi. Bon, en bouclier, on a quoi? On a gardien de la foi, ouais, qui est vraiment très 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 bien. On a le bouclier des âges, qui est bien. On va vendre des quality shield. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode, ça fait plus de 2 heures que j'y suis, mais en même temps c'est un jeu qui est vraiment bon quoi, je veux dire. C'est un Age of Fear, hein, c'est classique. Et Age of Fear, ah, notre voleur nain nous a ramené quelque chose aujourd'hui, 200 pièces d'or. Je vais juste aller voir la sirène puisque j'ai des perles. Elle me ramène quoi? Un casque de la chouette. Pas terrible. Honnêtement, ce jeu est encore une fois très 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 bon. Hein. Je le dis, je me répète, je le sais, mais le jeu est vraiment très très bon quoi. Hein. Ma prochaine étape sera la forteresse de Grogan. J'ai quand même essayé de m'y attaquer juste pour voir à quoi ça va ressembler. Nazel, est-ce que c'est la lumière du jour au-dessus de nous? Non, plutôt de l'or. Nous devons avoir atteint la porte arrière du donjon de Grogan, finalement. La séparation d'un nain avec sa richesse est toujours douloureuse pour lui. Si on joue bien, peut-être... De quoi tu parles, Nazel? Oh, qui aurait deviné? La porte? Elle n'est même pas verrouillée! Plutôt un coup d'œil à l'intérieur. Attends. C'est quoi ces crissements et ces claquements? Il y a un combat là-bas, par ici. Un autre golem de fer, cible acquise. Prochaine instruction, extermination de la cible, exécutée. Ces saletés vont sur Grogan. Protégez les gars, le boss a besoin de nous. Allez les mecs, frappez encore. Nous avons l'honneur du clan Hellhammer pour nous à protéger, pardon. Ouch, Grogan, non. Oh mon dieu. C'est un escadron de golems de fer et ils sont partis massacrer tout le monde. Vous croyez qu'on est tombé là-dessus Vous y croyez Angela? Moi j'y crois en tout cas. Oh fatigue, mais combien ils sont encore là-dedans? Comment le gang a-t-il perdu contrôle de ses créations? Je ne sais pas, Nazel. Mais ces golems ont l'air d'être des intrus, tout comme nous. Routine sélectionnée, charge à concussion, tremblement de terre en progression, s'il vous plaît, veuillez attendre. Dieu soyez-je damné! Ces machines de guerre complètement folles sont en train de précipiter un effondrement, il faut les désactiver rapidement. On aura un diamant si on gagne avant le tour 14, et ça, ce serait très très bien un diamant. Par contre, toi, t'as rien à foutre au cac, toi non plus. Au cac, on veut Naga.
On veut toi, Narv, qui t'es avéré être un tank très solide. Vous en backup. Et vous en gros backup. Il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde. Grogan est là-bas, mais il va se faire écrabouiller. Toi, tu vas commencer par bénédictionner un peu tout le monde. Le problème, c'est que les nains, ils ont plusieurs lance-flammes. Ils ont beaucoup d'unités à distance, les nains. Ils ont encore des Tesla ici. Mais bon, il y a des golems un peu partout, donc ça devrait les occuper. Toi, ce Mind Blast, c'est en closed range, ça paralyse la cible. Ah, en fait, ça fait pas de dégâts, mais ça paralyse en AOE autour de toi. Toi, tu pourrais lancer une boule de feu contre les nains, c'est moyen utile. Parce qu'il se trouve que les nains ont une résistance aux dégâts, enfin à la magie assez importante. On essaye. Ouais, c'est plutôt naze. Comme attendu. On commence en ratant des tirs à 90%. Écoutez, on va laisser la bataille se faire. Il faudrait qu'on gagne en tour 14, donc il faudrait qu'on ait une posture beaucoup plus offensive. Le problème, c'est que on va se faire savater nos archers. Et dommage. Si on garde pas une ligne bien resserrée. Même avec une ligne resserrée, on va prendre très très cher. On n'aura pas trop de deux soigneurs là. Faut éliminer les lance-flammes en priorité, ça c'est sûr. Celui-là là va être casse-couille. Alors, la bataille a une condition spéciale, tremblement de terre, la cible est stun au prochain tour. Ça cible aléatoirement 6 personnes. Oh là 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 là, mais t'es une merde Angela ou quoi? Let's shed a little you skin, disgust shall me. We? Lui, il va falloir le gérer, mais on se chie dessus. De toute façon, il reste quoi? L'élème, est-ce que j'ai envie que tu bouges l'élème? Si tu viens là, tu laisses tu ouvres la voie pour que eux se glissent et viennent ici. Donc c'est pas intéressant. Par contre, tu avances un peu pour aller attaquer lui. Merci. Bon, on a entendu Oi, mais il a pas perdu de vie. Je sais pas pourquoi, parfois je touche des mobs, mais ils perdent pas de vie. Désolé les gars, mais je... Qu'avez-vous fait, saleté de machine? Ils ont tué Grogan! Cible principale éliminée, cible secondaire acquise. Et moi, je vais te cible secondaire acquise, la tronche. Prends ça dans ta gueule. Enfin, là, pour l'instant, les nains, c'est plutôt vous qui prenez ça dans la gueule. Je sais pas comment on va gagner ça avant le tour 14. Hein. Parce que tuer ces trois golems, il va nous falloir 20 tours pour le faire. Lui, là, va nous faire extrêmement mal. Hein. Il faut que lui, on le tue, hein, vite. Un seul point de dégâts, Angela, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Let's hear it. Bon, toi, faut que quelqu'un soit capable d'aller le chercher, lui, parce que sinon, ça ne sortira jamais. Hein.
plus Angela, t'avais 3 tirs à faire, je crois que t'en as fait qu'un. Let's shed a little skin, you disgust me. Pucker up for a good night hiss. Lui, faut aller le chercher, hein. Il va nous faire très très mal, hein. Les lance-flammes sont très efficaces contre les golems. Hein. Ouais. Eh les gars, soyez prêts à récupérer les morceaux. C'est vrai que les lance-flammes sont très efficaces. Bon, petit à petit, on les grignote, hein. Toi, tu as pris cher, mon petit pote. Mon petit Nazel. Oh, joli. Ah, t'as touché deux Nazel, mais c'est formidable. Toi, va falloir que tu bouges, ma grande, hein. Toi, si je te refais faire un sort, tu vas être un peu à court de mana. Tremblement de terre imminent. Donc on va de nouveau avoir 6 personnes random sur le champ de bataille qui vont subir les dégâts du tremblement de terre. Et le problème, c'est que quand on a tué beaucoup de nains, eh bah, ça augmente nos risques de se faire toucher par le tremblement de terre. Ah, les Tesla, ils sont. Les Tesla et les lance-flammes sont formidables hein, contre les golems. Je dois avouer, ils ont du bon taf. Hein. Bon, eux, il faudrait qu'on les rush. Le problème, c'est. Il y a du monde, on crée une ouverture là. Et si on les rush, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de monde. Toi, est-ce que tu peux pas me faire une petite boule de feu, genre quelque chose comme ça? C'était médiocre. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on fasse une sortie. Toi, t'as joué Nazel, ouais, t'as fait une boule de feu toute pourra. On pourrait soigner elle, mais bon, elle a perdu lui ou il a perdu encore que 2 points de vie. Est-ce qu'il est à portée de soin? Il est à portée de soin. Ok. Les golems sont plus très nombreux, donc les nains, c'est clairement pas les golems qui vont les finir, hein. C'est nous, hein. Leur Tesla là à gauche, il va falloir s'en occuper vite hein, parce que le Naga a plus qu'un point de vie. Il risque de mourir. Vous voyez, faire une sortie là, c'est compliqué. Hein. On va coller à lui.
Bah, je pense qu'il faut qu'on aille choper le Tesla. Le problème, c'est que le Tesla, il nous touche trois personnes, il fait extrêmement mal. Ils ont que des attaques à distance, vous voyez, c'est très 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 compliqué là. On va faire une save, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Toi, si je te mets ici. Toi, ou qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, on va avancer. Il faudrait aller choper lui au cac, mais si je t'envoie toi contre lui au cac, tu vas prendre la colère de tout le monde. Mais à un moment donné, lui, il faut qu'on l'empêche d'utiliser son Uber skill de Tesla. Si on veut gagner avant le tour 14, de toute façon, faut qu'on se bouge les miches. Ok, donc toi, tu as été ciblé par le Earthquake, mais c'est pas grave. Ok, le Tesla, il est mort. Ok, trois nains de moins sur Terre. Toi, avec... Ah non, toi, je confonds avec toi. Ah, 70%, tu misses. Ça, c'est fâcheux, mon pote. Toi, t'attaques deux personnes. Toi, toi, t'attaques une. Toi, t'as 4 attaques à 10%, il y aura bien au moins une qui va toucher. Ah bah voilà, formidable! Alnaga, c'est vraiment mon tueur numéro 1. Il reste mes deux healers, donc toi, tu vas avancer. Toi, tu vas healer lui. Merci. Lui, là, c'est le plus dangereux. Alors, toi, t'as raté tout le monde. Toi, t'as pas raté tout le monde. Toi, tu as bougé. Toi, il faut que tu t'approches de lui pour aller le blaster. Toi, tu pourrais manger, mais tu n'es pas à portée. Toi, tu vas apprendre, petit enfoiré avec son lance-flamme, à nous respecter. Toi, tu vas te recentrer pour pouvoir soigner quelqu'un si besoin est. Ah, il reste plus beaucoup d'ennemis, hein, donc ça va. Le problème, ça va être de tuer lui, là, qui a 3 points de vie, ça va être compliqué. Hein. L'intérêt c'est que le Naga a 4 attaques, donc même si t'as que 10%, 4 attaques par round. Faut espérer que de temps en temps tu toucheras. Oh là 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 là, lui il est en très mauvaise posture. Faut qu'on l'exfiltre. Est-ce que tu peux pas manger toi pour te soigner? Non? Ah, il fuit lui, ça c'est une riche idée.
Après toi, allez ressusciter lui, toi. Parce que c'est ce qui va vraiment nous arriver. Lui va quitter, je pense, le CAC, non? Non, il est parti sur Nazel. C'est pas arrangeant. Parce que Nazel, faut pas qu'il soit au CAC. Toi, tu peux pas manger un cadavre quelque part? Non, parce que t'es pas à portée. Bon bah, va te mettre à portée d'un cadavre. C'est pas grave. You disgust me. Pucker up for a good night. You disgust me. Eh ben, combien d'attaques on a envoyé et aucune a touché. Bon les gars, il nous reste 2 ou 3 tours pour l'achever. Voilà. On a récupéré un diamant. Et on a trouvé un autre diamant. Donc on va pouvoir améliorer notre base. Et on va enfin pouvoir envisager d'autres créatures, genre les octopus. C'est pas bon. Je pense que la forteresse dorée de Krogan va s'effondrer. Madame la chasseresse de vampires, nous devrions partir d'ici avant que la montagne nous aplatisse. Ouais, j'espère que t'es prêt pour taper un sprint, Nazel, parce qu'il va falloir filer. Pronto! La poussière s'efface. Il est évident qu'aucun nain n'a vécu pour voir la fin de la bataille. Et en particulier pas Grogan et la mère lui-même. Le seigneur nain tombé au combat est étendu au milieu d'une mare de son propre sang. Ce golem de fer qu'il a assassiné a réussi sa mission avec une précision assez écœurante et mécanique. Angela se met à genoux pour regarder les restes brutalisés, mais il ne reste plus assez sur le seigneur du crime pour trouver quoi que ce soit. Malgré ses nombreuses questions, Grogan ne pourra plus répondre. Soudain, la salle du trône commence à s'effondrer d'un côté puis de l'autre, et c'est tout le donjon qui commence à trembler. Il faut se hâter. Oh, mais je peux pas faire une save. Alors, si on cherche Lower Keep. Malgré les tremblements de la montagne, Angela va dans un grand couloir qui part de la salle du trône, trouve l'entrée vers l'atelier des ingénieurs. Des machines à moitié assemblées tombent de leurs étagères et sont éparpillées au sol. Elle fait le tour de la pièce et ses yeux sont attirés par une machine qui a l'air joliment fabriquée et qui est laissée sur un établi. Elle va vers l'obstacle et récupère la machine qui ressemble à un cœur, puis file vers la salle du trône. C'est un joli objet. Mon Dieu, est-ce vraiment le moment de partir chasser des trésors? Ce n'est jamais le bon moment, Nazel. Sauf qu'actuellement, le plafond est en train de s'effondrer. Partez, partez! Ils ont trouvé un Mechanical Heart. Ils ont trouvé une pièce importante. Est-ce qu'on peut continuer à fouiller? Le Middle Keep. L'intensité des tremblements de terre augmente alors qu'Angela et Nazel foncent par la porte vers le donjon. Nazel regarde par-dessus son épaule et est choqué. Sur les talons du groupe, des insectoïdes semblent aussi pressés de quitter le donjon que les héros. Monseigneur, c'est comme si la montagne était en train de purger ses entrailles. Jamais vu une telle course d'insectoïdes. Tout leur essaim doit être en train de fuir en urgence. Même on n'a pas la place pour laisser passer. On va se faire piétiner. Donc il va falloir se battre.
2 rubis si on gagne avant le tour 16. Ouais. Bon, vous allez me dire, il y a ça. Ça, on peut pas y faire grand-chose. Si on fait ça. On peut même le cibler mieux, je pense, là. C'est pas aussi spectaculaire que je l'aurais espéré. Thy will be done. I never like to rock the boat. On est encore sous l'effet de Earthquake. Logique. Bah, t'es à portée de cac, Angela. Qu'est-ce que tu imaginais? Que personne n'est attaqué? Mon problème, c'est que j'ai déjà utilisé ma boule de feu, là. Et j'ai pas ma deuxième sorcière pour faire du Chain Lightning. Toi, faut que tu soulages Angela. Si. Toi, tu vas te centrer, mon pote. Protéger Angela. Non, je t'ai dit centrer. Du coup, toi, tu vas protéger Angela. Il n'y a vraiment pas assez d'attaque, Nazel, c'est très très triste. En même temps, Nazel, il a 1 en attaque. Toi, si t'attaques, tu peux toucher les deux. Toi, tu vas en éliminer un. On va essayer de les pousser à fuir. Toi, tu vas faire ton chant de la sirène. Ah, il crache, le monsieur. Mais c'est très mal poli. Et ils sont nombreux à cracher comme ça. Ouais, donc on va probablement pas survivre à ce combat comme on l'aurait souhaité. Je pense qu'on va essayer d'éviter ce combat. Il n'est pas obligatoire, il est très long, il va être très difficile. J'ai pas envie de le refaire X fois, là, pour le plaisir de le refaire. Parce que c'est clairement ce qui m'attend, là. Ah, je peux pas soigner, c'est un LM. Bon, bah donc t'es mort, l'élem. C'est noté. Toi, si tu avances ici, de toute façon, tu vas te faire shooter par lui. Le problème, c'est que si tu avances ici, d'autres vont t'attaquer, mais on va poursuivre le fuyard. Lui va mourir, hein. De toute façon, comme dit. C'est pas comme si je pouvais faire quoi que ce soit, là, maintenant. Apparemment si, je peux y faire quoi que ce soit, mais il faut que je le fasse reculer tout de suite. Toi, il faut que tu prennes le temps d'aller te reposer, mon pote. Toi, est-ce que tu peux manger ce cadavre? Lui, là... Il tire, c'est lequel qui tire? C'est lui qui tire. Recentrez-vous, les gars, sur vos devoirs. Ça, concentrons-nous sur notre devoir. Toi, tu vas aider lui, là, qui est empoisonné et qui a subi quelques dégâts.
Si t'as une deuxième boule de feu là à faire, Nazel, c'est le moment, je crois. Comment toucher un maximum de gens? Là, je pense. Hein. Toi, est-ce que tu as... Est-ce que tu régènes quand tu attaques, toi? Ouais, tu te rends un PV quand tu attaques. Let's shed a little skin, shall we? Oh. Lui, il est en fuite. Toi, tu recules un peu le temps de régène encore. Toi... Pas de raison de te faire avancer plus que ça. Qu'on fasse attention à notre warg là. Il est blessé, mais en plus il a pris une blessure permanente. Très mauvais. Soigne-le, toi, s'il te plaît, merci. I'm a pistol pack and mama. Got any garlic? Ils ont encore des tireurs? Ouais, lui est un tireur. Le problème, c'est que si on va le chercher, toi, t'es là en plein milieu et tu vas prendre tout le monde sur la tronche. Résiste! Putain, mais tout le monde résiste à tes sorts, en fait, hein, Nazel. Je crois que boule de feu et firebolt, c'est plus vraiment des sorts intéressants. Là, le problème, c'est qu'on vient de se prendre deux persos empoisonnés et ça, c'est extrêmement fâcheux. Les crasheurs là sont extrêmement dangereux. What do you require? 80% tu misses. Pourquoi ça m'étonne pas de toi, mon pote? Buckle up. L'exterminatrice arrive pour toi, cafard. Ben, l'exterminatrice, elle s'est pas trop servie d'un gun, mais... Toi, ton cooldown de soin n'est pas up. Toi, tu peux soigner. Tu vas soigner Naga, qui a pris un peu cher. Toi, tu pourrais repasser devant l'élème. Malheureusement, c'est pas trop possible pour l'instant. Est-ce qu'on va faire une sortie pour tuer lui? Certainement pas. Bon, lui, il est en fuite. Le problème, c'est lui, là-bas. Mais bon, lui, on va le laisser à Angela, je suppose. On va essayer de garder la position comme ça, on va voir. Hein. Le poison va nous faire très très mal, ça c'est sûr, mais... Ah, il s'est healé. Oh, quel fils de chamelle.
You're gonna wanna stay on my good side. What is it? Ah bah toi, faut que tu fasses une sortie pour tuer lui, hein, parce que lui il va nous faire trop mal sinon. Ok, t'as un cleave, mais t'as personne à cleave. C'est pas trop triste. Oh là 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 là, double miss. Ça, ça va nous coûter très cher, je pense. Double miss. Allez, encore des blessures permanentes. Toi, t'as plus de mana. Let's shed a little skin. You disgust me. I'm a pistol packing mama. Faut qu'on puisse soigner le loup, sinon il meurt. Hein. Ce soin arrive à point nommé. Il reste ces deux-là. Il y a un tireur dans l'eau, mais bon. Ça se passait moyennement. Encore une fois, on a pris deux blessures permanentes. Vous allez me dire, c'est pas trop grave non plus. C'est vrai. C'est chiant, mais c'est pas non plus le bout du monde. Un combat difficulté facile et il n'y paraîtra plus. I've got a few spells up my sleeve yet. Anything you say. Ça en est quand même bien sorti vu la quantité d'ennemis qu'il y avait là-dessus. Yes. Got any garlic? Qui va l'achever? Angela, tiens. Et on a deux rubis parce qu'on a gagné avant le tour 16. Et si on va fouiller le dernier, c'est quoi? Alors que la montagne tremble toujours plus, Angela fonce vers un hall inexploré. Elle frappe à la porte qui est au bout du couloir et essayant de toute sa force, elle n'arrive malheureusement pas à l'ouvrir. Une explosion détruit le mur et envoie des fragments de rochers dans la caverne. L'effondrement est imminent.
Angela se retourne et fonce vers la salle du trône au moment où un énorme bloc de roc tombe du plafond. Elle fait un saut pour éviter d'être aplatie. Mais le roc arrive tout de même à endommager le groupe. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Au moment où Angela et Nazel sautent à l'extérieur de l'entrée du donjon et atteignent la lumière du soleil, le plafond s'effondre derrière eux avec un bruit tonitruant. Une rafale de vent et de débris s'échappe de la bouche du donjon, soufflant les héros en l'air et les envoyant valdinguer. Angela se relève alors que Nazel est toujours allongé, visiblement ébranlé. Elle se retourne pour vous regarder le donjon de Grogan. L'entrée n'est plus qu'un solide mur de pierre totalement impassable. Tous les indices qui resteraient à découvrir sont enfouis à jamais. Ces golems sont incontrôlables. Qu'est-ce qui s'est passé là? Nous avons de la chance de nous en être sortis vivants. Je ne m'attendais pas à ça. Les constructs peuvent être assez imprévisibles. Il y a de nombreuses histoires, de maîtres inexpérimentés qui ont eu des problèmes avec leur construction. Si le lien n'est pas fait correctement, le commandement d'un maître peut échouer. Ces golems de fer n'ont certainement pas été relâchés. Enfin, ont peut-être été, relâchés par erreur. Oh, tu suggères que Grogan voulait juste faire la preuve des capacités de combat de ses golems dans sa salle de trésor. Et après, hop, pas de bol. Les messages se sont embrouillés dans la tête des golems et ils ont commencé à crabouiller tout le monde. Non, ça me semble pas être la bonne idée. La bonne explication. Si Grogan était derrière les assassinats, les indices sont de toute façon enterrés avec le reste de son gang dans cette montagne, n'est-ce pas? Je pense. Peut-être que l'enquête s'arrête ici? Non, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Nous devons continuer à enquêter sur les autres seigneurs du crime. Madame chasseresse de vampires, je pense que tu en fais trop pour une affaire assez simple. Peut-être, mais je doute qu'elle soit aussi simple que ça. Bon. Assez de glandouille pour une journée. Nous repartirons sur la piste du tueur de fer demain. Peu importe qu'il soit tôt ou tard. Moi, j'ai rendez-vous avec ma couche. Quel est le plan? J'imagine, on va aller enquêter sur le prochain chasseur du crime. Est-ce qu'il en reste? Toi, t'as une idée derrière la tête. Nazel? Le bazar des mages est ouvert aujourd'hui. Oui, enfin déjà, on va aller envoyer, soigner tous les gens qui sont blessés. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens blessés dans ma troupe. Toi, tu es blessé. Tu as deux blessures permanentes. Donc pendant deux combats, tu seras out. Toi, tu es blessé, ce qui est beaucoup plus ennuyeux. Toi, tu es blessé, tu as une blessure permanente. Ok. Toi, tu es blessé, tu as une blessure permanente. Donc le prochain combat, on va le faire avec des troupes un peu à la one again. C'est pas gênant. Toi, je veux que tu aies 400 XP pour faire dual wield. Toi, tu peux enfin devenir élite, poteau. Ce qui te donnera 2 d'attaque et de défense, et c'est pas du luxe. Hein. 2 points de vie, 3 de mana. Enfin en attaque, tu passes à 3 parce qu'avec ton 1 en attaque, mec, tu n'impressionnais pas grand monde. Toi, t'as déjà tous tes skills, je crois. Ah bah non, bah tu vas avoir tous tes skills. Félicitations. Toi, l'élème d'eau, peut donner quoi? Résistance à la foudre, au froid, à la magie. Hâte. Je vais attendre que tu aies Greater Regeneration. Toi, la sorcière, je peux te donner silence. Dispel Magic, Poison Resistance, Alchimie. On va déjà te donner Poison Resistance, toi.
Toi, Lucie. Je vais prendre aussi Poison, Résistance. Toi, toujours rien. Toi, pas encore. Toi, dans 2 XP, tu seras top. D'ailleurs, on peut améliorer le village. J'ai gagné une perle noire. Ah ah! La communauté des gens de la mer a fait un autre pas significatif. Maintenant, la plage est tout à fait chargée des huttes des pêcheurs et des vaisseaux de marchands qui viennent de terres lointaines et qui sont présents de plus en plus régulièrement. Déjà, ce site côtier est devenu une étape essentielle sur les routes commerciales les plus populaires. Des biens uniques deviennent achetables, qui viennent de tout le royaume. Ce n'est peut-être pas encore une capitale, mais les améliorations et les extensions faites dans ce village l'ont transformé en un hub économique et touristique. Progresser dans le jeu pour débloquer plus de types d'unités. On ne peut plus l'améliorer maintenant. Nous l'avons amélioré au maximum. Nous avons l'octopode. Voilà le big guy. Il est intelligent. Super. Mais tu sers à quoi sinon l'octopode? On va forcément en recruter un. On pourrait recruter directement un Naga Archer, mais là du coup on en a un. On va recruter un octopode. Quelles sont tes compétences, octopode? On peut te transformer en Kraken. En octopode électrique, consommation de cadavres, War Runes, Healthy Regeneration. Alors, watch. Essaye de te prendre Healthy Regeneration. Regeneration, je pense que ce serait tout à fait valable. Et toi, on va t'essayer au combat, l'octopode. Je vais essayer de faire vite fait un combat simple. Qu'est-ce que vous avez tiré aujourd'hui, les gars? Un sac pour mettre sur la tête, ça donne Iron Mind et stupidité, mais ça rend immunité et ça immunise à la peur. Ouais, bon, pourquoi pas. On va faire juste un combat rapide avant de mettre un terme à cette session de jeu. On va se battre dans la forêt, on va avoir de malus. On va voir si on a l'octopode avec nous, et si oui, on va voir comment il se comporte au combat. On l'a, notre big guy. Et on a quoi? Ouh, Cyclops. Voyez-vous ça? Alors, on n'a pas le Naga, hein, je rappelle. Donc, notre ligne de CAC ne sera pas la ligne habituelle. Hein. On n'a pas notre loup qu'on a eu dernièrement. On a Lucie. On a le retour de notre jellyfish. Qui n'est pas exactement quelqu'un de très sexy, hein, faut bien avouer. On va laisser approcher... Pas de raison de partir avancer la face assez peau verte. Par contre, là, on a de quoi faire une bonne boule de feu et un bon Chain Lightning. Il n'y a plus de Chain Lightning là. On pourrait hypnotiser celui-là. Ce serait triste d'hypnotiser celui-là. Ah, plutôt joli. L'octopus, tu es putain de lent. Voilà, tu l'écrabouilles, toi, Angela. Ah, lui, il fuit. Bien, avançons. Tu peux pas attaquer, toi?
Pourquoi tu peux pas attaquer? Quelque chose m'échappe là. J'ai pas encore compris comment marche l'octopode. Ah, l'octopode peut pas se déplacer et attaquer? C'est le cas, c'est ultra triste. Va le stun, s'il te plaît. Ouais, je crois que la personne ne peut pas se déplacer et attaquer. Ah, c'est d'une tristesse. Essaye de paralyser, toi, s'il te plaît. Va annuler la régénération avec du poison. Voilà, tu touches. On va te faire pexer un petit peu. Toi, Narve, on n'a pas de raison de te faire pexer plus. Toi, tu vas l'achever. Pourquoi? Parce que Narve est déjà au max de son développement. Donc, lui donner plus d'XP, c'est pas une nécessité. Donc, la bataille est gagnée. Il va falloir qu'on en refasse une deuxième pour récupérer, je crois, le Naga. Tiens, faut qu'on aille choper une perle, d'ailleurs. On a chopé une perle, donc on va aller voir la sirène. On pourrait lui donner une Black Pearl. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Elle parle et récite une ancienne invocation d'une voix haut perchée. Après un moment, la scie s'ouvre et un monstre géant sort de l'eau. Le dieu des crabes! Elle regarde calmement. Bravo, il semblerait que le dieu des crabes souhaite vous rejoindre. Hey! Tu me donnes quoi toi aujourd'hui? Un sablier magique. Plus 1 MP pour les spellcasters, ça peut être bien. Hein. Donc on a le Crab God. Carrément, le Crab God. Et on a beaucoup de nos troupes qui sont revenues. Il n'y a qu'une seule troupe qui n'est pas disponible, c'est. Ah bah c'est lui. Ah donc on récupère notre Naga. Crab God, tu as quoi? 8 points de vie, 19 au moral, 4 attaques, 6 def. C'est pas terrible tout ça? Double attaque, double dégâts. Ah, ça c'est mieux déjà. Ah t'es même pas régular? Ah ouais. Ah à mon avis, quand toi tu seras développé, mon pote, tu vas devenir un tueur. Stunning attack, healthy, hard shell. Oh, toi je vais te kiffer mon pote, on va te faire pexer toi. L'octopode, tu m'as pas impressionné, hein. C'est-à-dire que tu peux pas bouger et attaquer dans le même round. C'est très compliqué, là. Vous comprenez bien. Les lames d'eau, je pense que je vais te mettre de côté. T'es gentil. T'as beaucoup de régène. J'aurais pas été contre un peu plus de PV de ta part, par contre. Bon, moi j'aurais qu'une envie, c'est de continuer à jouer, mais je dois partir. Et puis ça fait comme 3 heures que je suis sur ce jeu, sur cet épisode. On a enquêté sur deux seigneurs du crime. Il nous reste le Dark Castle, le cinquième, et il y en a un sur qui on ne peut pas enquêter. Donc de toute façon, il va falloir les faire. Chercher le Fifth Crime Lord et chercher le Dark Castle. Mais quoi qu'il en soit,
La campagne est bien, hein, vraiment. Je l'ai dit, je le redis, c'est un jeu vraiment très solide. Que c'est Age of Fear 4. Allez, ciao tout le monde.